On était obligé, j'étais obligé de couper parce que Facebook m'a envoyé le message qu'il devait couper. Il faut vraiment qu'on trouve une porte de sortie. Il faut qu'on trouve une porte de sortie. Nadège va revenir. Nadège va revenir. Faut qu'on trouve une porte de sortie vraiment. Ok. Dans les millions de revenus dans le live. Nadège. Dorcas, moi je sors du travail, je vais me coucher un peu. Quand elle revient, alors je parle avec elle et puis moi je vais dormir. Parce que je dis que moi je sors du boulot là, je vais me coucher, mais quand elle revient, parce que depuis là, je te jure que, Dorcas, ce que la dame là a dit tout à l'heure au téléphone, ce n'est pas tous les Camerounais, ce sont elles qui sont salies. Moi je ne suis pas moi salie, jamais. Elles ne salissent que leur vie. Elles ne me salissent pas. Jamais. Je suis Camerounaise, je suis dans les réseaux sociaux, mais je ne suis pas sale. C'est même quoi ça? Merde. C'est quoi ça? Vous faites votre cinéma dans les réseaux sociaux. Vous pensez que les gens, tout le monde est mort. Alors, Le COVID, hein? Le oui, COVID n'a Nadège, pas reviens tué tout alors le dans le monde. live. Hein. Tu sais que Facebook, comme nous sommes là, là avec toi, Facebook m'a envoyé le Nous, on a encore message envie. qu'ils allaient couper dans une minute. Donc, j'étais obligée de couper le live et relancer. Parce que le live, là, a fait au moins 6 heures de temps. Tu sais qu'on a Ça pris du fait temps à plus, réagir hein. au Ça Covid. fait plus de 7 heures. J'étais prêt alors. On raccroche ici. Oui, Oui, Nadège, je t'écoute, ma bon. chérie. Oui, je vais un peu Bon. répondre à la dame qui vient de passer. Si c'est qui, là, je ne connais pas trop. Dites-lui que, honnêtement, mon jugement, c'est auprès de Dieu, pas auprès des hommes. Maintenant, quand elle pose la question que qu'est-ce que je fais dans le direct à 2, à 7 heures du matin, j'ai le droit de faire ce que je veux. Puisque, qu'est-ce qu'elle fait pour se retrouver dans le direct à pareille heure? C'est-à-dire, avant. Nadège, bonjour, Excusez-moi, s'il bonjour. vous plaît, madame. Avant de reprocher quelqu'un. Reprochez-vous d'abord de vos propres Nadège, châtiments. Excusez-moi, madame, s'il vous plaît. Reprochez-vous d'abord de vos laisse propres t'aider. châtiments. Vous êtes dans les Laisse. directs. Vous croyez vous avez voulu me faire peur parce que vous aviez affiché mon enfant. Vous croyez qu'en affichant mon enfant, je vais avoir mal? J'ai eu mal. Le mal, là, je le garde pour moi. Je garde ce mal pour Nadège, moi. Donc, arrêtez de dire Nadège. qu'on a Le affiché son même enfant, on a fait ceci. affichage, Comme si on vous a avez peur aussi de vous. Pas affiché comme si vous Gagou. faites du mal. Donc, c'est Comme la si même c'est mon porte c'est vous qui que avez vous amené l'histoire savez. de l'enfant. C'est vous qui Non, amenez l'histoire de l'enfant. ne parle On pas. a affiché Ton mon enfant, on enfant. n'a affiché Pourquoi je ne fais rien. pas dans les directs? Gagou, on l'a Vous faites affiché quoi dans les directs, madame? depuis ses 6 Vous faites ans. quoi dans C'est les 6 directs, vous mois. aussi? Vous faites quoi dans les directs, vous aussi? Arrêtez souvent de Laisse, créer laisse l'amalgame les où il n'y a pas. Vous commentaires. faites quoi dans les directs? Bonjour, Parce bonjour, qu'on a affiché Nadège. mon enfant que je n'ai droit pas m'exprimer. Je suis méchant. Bonjour, Je quitte tout ce qu'il y Nadège. a, mais vous n'êtes pas le. Bonjour, Vous n'êtes Nadège. pas là pour juger, je ne vous juge Ne pas. Déjà, je ne gueule vous connais pas. pas. Posons, Je ne vous posons. connais pas. S'il Tu fallait vas. poser, je ne Donc, pose pas avec vous. S'il fallait tu as vu la poser, on allait manipulation. poser Tu as vu normalement. la Là, je manipulation. ne fais pas dans le direct. Je ne fais pas Dorcas, tu dans as le direct. alors C'est du vu. rechauffé. Tu C'est as du vu. rechauffé pour certaines personnes, mais Dorcas, tu as vu. c'est nouveau pour vous. Tu as C'est vu nouveau comment pour les d'autres filles là personnes. font? C'est du rechauffé Comment vont vous de. manipuler, vous les Je dis nouveaux? que c'est Mais nous, rechauffé les pour d'autres anciens, personnes elles et ne c'est vont pas rechauffé nous pour tout le manipuler. monde. Donc, on n'a Parce que pas moi, de. Je n'ai pas de je terre veux à qu'on perdre. cause OK. et par Madame rapport Dorcas. à tout ce qu'elle a dit. Tu vois Madame comment Dorcas. elles sont? Regarde, Madame regarde ton Dorcas, je comportement. vous laisse. Juste à quelqu'un, je vais te mettre. Vous me connaissez où? Donc, J'ai déjà échangé Nadège, avec vous. arrête ta Vous demandez que qu'est-ce que je manipulation. viens faire dans les directs au Arrête, matin? tu as C'est toi menti qui du dois arrêter début la jusqu'à la manipulation, fin. madame. Tout ce Déjà, que toi, tu as tu me dit à connais. Dorcas, c'est Moi, un je ne te connais mensonge. pas. Toi, Je tu ne me suis connais. Moi, pas je ne te aucune connais pas. fille. Je dis avec témoin. Parce que Toi, tu tu me es connais. Moi, sortie je ne te connais de pas. Facebook, La tu ne preuve vis est pas à les avec objets qui témoin. disent Vous que avez Nadège parle choisi avec les preuves. Je parle avec les imposé, preuves. tu C'est ne du parles rechauffé. avec J'ai rien aucune à foutre. preuve, Dis donc, allez. Nadège.
Franchement, avec tout le respect que je vous donne, je ne vous connais même pas. Je ne suis pas votre enfant. Donc, arrêtez 2022. De prendre pour alibi mon enfant. J'assume ce que je fais. J'assume ce que je fais. J'assume ce que je dis. Je n'ai peur de personne. Je cause avec les dames, avec la dame qui a le direct, qui est même plus. Mieux placé que vous. Vous êtes qui pour juger les gens? Vous êtes qui pour juger les gens? On vous juge? N'importe quoi. Tu as vu? Tu as vu Dorcas? Tu as vu? C'est une maman en vous. Elle te dit, Dorcas, elle est facile. Elle n'a rien te dit. Elle vient te manipuler parce que tu ne connais pas. Dorcas, je ne suis dans aucune team. Maintenant, là, on doit se dire la vérité. Par une gestion de talent. Une femme est dit, elle vient parler de son enfant. En position de force. Non, donc là, je te dis que non. Si vous partez en guerre, là, c'est pour la motiver à continuer. Non, 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 non. Non, Dorcas, attends. Dorcas, moi, je suis venu calmement, non. Tu as vu qu'elle n'a pas resté qu'on parle, non. Tu as vu, non? Parce qu'elle était là, elle te racontait les contes des enfants de 10 ans, de 2 ans. Toi aussi, tu étais là. Mm-hmm. Ah oui? Ah bon? Flor fait ça. Ah ouais, Coco a dit que c'est une. Elle a menti du début à la fin. J'ai voulu qu'elle reste là pour qu'on parle. Je lui pose les questions vraies. Je vois comment elle va répondre. Si elle était capable de répondre. Elle a affiché la fille de Composton, non? Dorcas, je veux te dire, Facebook, si, quand ça a commencé, mon Facebook, quand je vais raccrocher, va fouiller mon Facebook, Dolem Yondosi. Ça existe depuis 2009. Les Nadège, je ne pense même pas qu'elle avait déjà un Facebook. Elle n'avait pas encore Facebook. Je les ai tous vus arriver là, devant mes yeux. Flor est venue dans son combat avec ses amis. Qu'on l'a publié, Composition est venue là, dit que c'est elle qui va défendre tout le monde, que Flo est en train de tirer sur Facebook. Vrai. Ils sont entrés dans leur guerre. Tu comprends, non, Cocasse, depuis 2009. Et Nadège était la sœur de Composition. C'est même quand ils ont eu les problèmes qu'on a su qu'ils ne sont même pas familiers. Tu comprends, non, Cocasse? Qu'elles arrêtent la manipulation, les filles là, elles n'ont pas honte. Et quoi qu'elles vont salir les Camerounais, elles ne salient aucune Camerounais, elles se salient eux. Allô? Oui. Nadège parle d'abord. Bonjour tout le monde. Bonjour. Angelou Dorcas. Non, ça va, ma chérie. Menteuse. Non, Dorcas, tu comprends? Nadège. Elle est partie. Elle a fui. Nadège. Elle a fui. Nadège. C'est Samantha, le restaurant à Bruxelles. Samantha, la dame des friperies. Tu me connais, non, Natou? Natou est non, pas. Samantha, au restaurant à Bruxelles, à la gare du Midi. Tu te rappelles de moi, non? Dorcas. Parle seulement, parle, ma chérie. Voilà. Je dis, pourquoi vous n'arrêtez pas Coco, là? Vous tous, là, vous faites un guet-apens. Vous arrêtez Coco, là. Parce que ça les arrange. Parce que ça les arrange. J'ai posé la question là. Donc, tout ça, c'est pour descendre ça. C'est une seule fille, une fille Bamoun. Comme sa sœur dit qu'on n'appelle pas le nom de Bamoun là. Montez un génocide entre les Bamilékés et les Yaoundé. Ça n'a pas marché. Elle s'est levée, elle dit qu'elle a défendu le Cameroun en sémant le génocide et la division au milieu des Camerounais. Pardon, aujourd'hui, ma chérie. Elle vient dire qu'on ne parle pas de sa race. Non, je vais commencer par là pour parler de la race. Nous non, 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 on ne parle pas de la race, pardon. On ne parle pas de la race. Mais elle est Bamoun. C'est cette fille Bamoun. Sa sœur a dit qu'on ne prononce pas le nom des Bamoun. C'est tous les Bamoun. Non, laisse. Ça n'a rien à voir avec ça. Pardon, il faut arrêter avec le tribalisme. Il ne s'agit pas de ça. Nous, on n'est pas dans la race. Coco est méchant. Non, nous, on ne parle pas de la race. Voilà, vous les filles là, vous le groupe des filles là. Mais elle a dû me salir tout un pays. Nadège, est-ce que c'est vraiment au Cameroun qu'on retrouve les femmes qui ont cette orientation? Dorcas. Oui. Dorcas, moi je te dis la genèse de Facebook et je vais dire ça partout où je veux passer.
que cette fille veuille ou pas. Quand Facebook a commencé, c'est Flor qui a commencé chez Waman. Après, Congo Saba a commencé à relier ses directs. Flor est venue, et tout le monde a commencé à passer par Flor pour régler les comptes. Leurs comptes. Quand tu as ton problème avec ton ami, tu vas voir Flor. Et c'est Flor qui part se mettre devant sur Facebook. C'est là où Compresseur est venu là-bas comme le sauveur. Ils sont entrés en clash. Que pourquoi Flor parle sur Facebook? Compresseur est entré en clash. Il y avait derrière Nadège Mbapa, qui est ami à Compresseur depuis le temps Toé. Depuis le temps de Mitterrand, qui sont en France. Facebook n'existait même pas encore. Zuckerberg était même encore peut-être à l'école primaire. Tu comprends, non, Kodokas? Nadège, on a toujours vu Compresseur dans Facebook avec Nadège. C'était sa copine avant Facebook. Facebook n'existait pas encore. Il ne faut pas qu'elle vienne nous mentir. Je dis que les Julie, tous les gens qu'elle appelle, la Julie, c'est une dame qui a un restaurant dans le 18e. Je suis sûre que quand elles attendent même leur nom dans les directs, elles peuvent pisser seulement sur elles. Bonjour, Dorcas. Donc, bonjour, ma chérie. Comment tu vas? Ma chérie, pardon, attends, je parle, me dormir. Tu parles, maman. Tu as trop duré. Vraiment. Donc, maintenant, quand Nadège est venu. Si tu veux commencer à expliquer le problème de la attends, fille, Coco Kouetou est venu aussi derrière Flor, la même époque. Tu comprends, non, Dorcas? Nous tous, on a connu Coco Kouetou là dans l'époque là avec Flor. Ils ont commencé à faire tout ce qu'ils ont fait là, on a vu. C'était le temps d'Aïdjo. Ce n'est pas les histoires de 2022. J'ai dit qu'elle trouvait une solution sur le cas de Coco. Si Nadège allait faire l'amitié avec Coco, c'est parce qu'elle voulait faire du mal. Ça fait 30 minutes que je veux parler. Ça fait 30 minutes. Je veux même parler 5 minutes et je pars. Comme ça, tu prends d'autres personnes. Laisse que tu en aies parlé là. On veut les voix de maintenant, tu parles Pardon. Nous tous, on était ici à la Genèse. On connaît ça depuis le départ. On ne va plus ramener ça maintenant. Ce qu'elle voulait dire, c'est que Nadège est très, très dangereux. C'est Nadège qui crée tout ça sur la toile. Parce que quelqu'un se lèche, que quelqu'un vend son piment. Tant que tu ranges ta vie est cachée et que tu ne viens pas faire la pub sur ça ici en ligne. Moi je crois que c'est Coco le problème. Ce n'est pas Coco qui enregistre les gens qui partagent. C'est Coco le problème. Mais c'est Nadège qui a donné les voix à Wakatologue. Et Wakatologue. Qui a donné à Nadège? Pourquoi vous laissez la personne qui a donné à Nadège? Quand tu fais le Congo sans, nous tous on fait le Congo sans entre copines. J'ai dit qu'elle a donné les voix. Coco, c'est la plus mauvaise. On sait que Coco est méchante. On doit cogner que sur Coco. On va être dit là aujourd'hui pour dire qu'on va faire comment stopper Coco. Ça doit être le débat. Donc, je vais te poser une question. Donc, est-ce que tu as vécu le Covid ici, non? On a tous vécu le Covid ici, non? Donne-moi deux minutes. Ce que je dis, c'est que... Donne-moi deux minutes, tu vas répondre. Je parle sincèrement, je suis Bamoun. Tu comprends, non? Ce que Coco a fait. Ce que Coco fait depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Coco le fait depuis. Tout le monde sait qui est Coco sur cette toile. C'est une fille qu'il ne faut pas faire confiance. Moi, je ne vais plus revenir pour parler de Coco parce que Nadège est plus sensée que Coco. Coco, c'est une folle. Tu comprends, non? Coco, c'est une folle et ce que Coco
toi dans la tête, c'est nuit. Tant que regarde un peu les boys, tout ce que Coco raconte à Nadège. Non, vous voulez justifier la méchanceté de Coco. Coco, c'est la plus dangereuse. Mais vous ne pouvez pas trouver une solution pour Coco. Coco, c'est une personne qu'on doit isoler comme on a isolé le COVID. Quand tu attends que quelqu'un a le COVID dans une salle, tu n'entres pas. Si on a parlé de Coco, c'est elle le problème. Dorcas, Coco, c'est une personne qu'on doit isoler comme on a isolé le COVID. Quand tu vois que quelqu'un a le COVID dans une pièce, tu n'as pas. Mais en Paris, en France, là, vous ne pouvez pas trouver les mesures pour mettre cette fille hors d'état de nuit. Parce que ça laisse s'arranger les histoires. C'est pour cela que les nageuses font les amitiés avec elle. C'est ce qu'on veut te faire comprendre, Dorcas. Tu ne comprends pas quoi depuis. Moi, j'ai suivi un live aujourd'hui, là où Compressor est en train de vouloir tourner et dire que non, ce n'est pas Coco qui a envoyé à Nadège, mais c'est un téléphone que Nadège avait envoyé et tous les messages de Coco se retrouvaient. Ça, c'est faux. Moi-même aussi, je veux dire comme toi que c'est faux. Tu comprends, non, Dorcas? Je veux dire comme toi que c'est faux, mais ce que moi je veux te dire, Dorcas, quand tu sais que ton pied droit est malade, ce n'est pas le pied droit là que tu vas poser au sol pour en premier. Dans tout ce monde-là, c'est que Coco, c'est une peste. Quelqu'un te dit même bonjour en route, ne reprends pas, fuis seulement. Et comment Nadège va dire que c'est ma petite soeur? Je l'ai pris comme mon amour, mon quoi en 2022. Dorcas, est-ce que c'est simple? C'est une personne simple. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Coco, c'est une personne qu'on doit isoler. On doit isoler complètement. Je ne la défends pas. Mais Nadège, qui est une mère de famille, qui a son image à protéger, qui a les amis aujourd'hui qui appellent tous les noms de tous ces gens-là, elle dit, Coco n'en a rien à foutre. Coco n'en a rien à foutre. Maman Dorcas, tu ne comprends rien. Ce n'est pas Coco qui verse ça sur Facebook. C'est Nadège, papa. Qui a envoyé à Nadège? Il s'agit de défendre. Non, ce n'est pas ça. Elles étaient des amis. De la diaspora. Non. Il s'agit de descendre Fleur de Lille. Nadège, papa, est dans le groupe des voleurs. C'est Coco l'abcès qu'il faut percer ici. Peut-être toi, tu vas avoir le remède pour la percer. La foi de Lyon n'a pas pu la percer. Bon, je pense que tu vas y être avec des gens, tu dis que ce sont tes amis, tu passes le temps. Le but, le vrai but, le seul but, c'est de descendre Fleur de Lille. Nadège Bapa est dans le groupe des voleurs maintenant. Et elle a pour but de descendre Fleur de Lille. Dorcas, moi je pars, je laisse le direct. Mais moi je veux te dire que cherche-nous le remède pour radiquer Coco. Comme ça, tu vas voir que ça. Non, c'est vous qui êtes en France. Dorcas, vous êtes en France, vous pouvez trouver une solution. Non, je suis revenue, Dorcas. Ce que Dolé Miondo dit, c'est que Nadège que tu vois. Nadège a le gros cœur. Quand tu entends Nadège parler, le but de Nadège, c'est que si c'est qu'on doit mouiller, on va mouiller tous. Même les comédiennes qui n'ont rien demandé à être dans les histoires. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve aussi. Elle est méchante. C'est que tu vois, c'est un problème. Que Nadège expose Coco et l'autre comédienne avec qui elle a les problèmes. J'ai les artistes, j'ai les chanteurs. Pourquoi? Ils ont fait quoi? On va appeler ton nom. Toi-même qui es assise là, on va appeler ton nom. Elle est méchante. Hein? Nadège dit qu'elle, elle n'est pas lesbienne. Mais quand Coco dit que les autres, elle a léché les autres, elle est valide que oui. Hein? Coco, c'est une manipulatrice. Coco est capable de tourner comme ça veut. Nadège, elle est dangereuse, il faut se méfier, on ne vient pas ici. Mais une personne normale ne doit pas s'approcher d'elle. Ne doit pas dire sa sexualité comme il veut. Il faut s'approcher d'elle pour avoir les balles sur Fleur.
Alors. Et tout ça, c'est pourquoi ça revient seulement à Flo. Ils attendent que Flo parle. Ils veulent que Flo entre en clash. Ils veulent... Flo n'a pas peur. Flo va parler. Hein? Flo va... Moi, je veux que Flo parle. C'est pour descendre de Flo. Elle est dans le groupe des Gaulais. Et ça finit. Je ne supporte pas Flo, mais à un moment donné, quand même, de voir que depuis des années, tout le monde, sur une seule personne, l'instigatrice est là. Allez chercher l'instigatrice. Finissez donc, avec tu elle. Sais, tu sais ce que Coco faisait. De clôturer le live tu, avec Nadège. Tu sais ce que Coco faisait à Flo. Après, tu fais ce que Coco faisait. Coco partait, elle parlait avec Flo, elle partait donner à Joël Brun. On va venir sur Facebook, on gâte nos enfants sur les réseaux sociaux. On n'éduque pas, s'il vous plaît. Nos enfants, on les éduque à la maison d'abord. Condamnez ces gens qui viennent passer les vosses, j'ai mis tes doigts, j'ai enlevé le pistache. Condamnez-les. Parce que c'est bien en étalant ces vosses qu'ils vont comprendre dans nos enfants. Voilà. C'est les choses que quand vous voyez même ces salles, on ne fait pas écouter les voix. Mais comme tout le monde veut la visibilité... Essaie de sortir du live, il y a d'autres gens qui veulent aussi. Oui, je sors. Comme tout le monde veut la visibilité, chacun veut la visibilité de son côté, il sort la saleté. Même jusqu'à salir les artistes. Hein? Je me déconnecte. Non, pas toi, je parle d'un Dolé. Voilà, je disais que parce que quand Nadège part, tu ne fais que dire, donc casse-toi aussi. Tu dis à Nadège que Flo est en position de faiblesse. Ça, c'est lui laisser penser que ce qu'ils font sur la toile, c'est bien. Tu comprends un peu, non? Quand tu entends Nadège parler, écoute bien. Nadège n'a rien à foutre. Sa fille pleure, elle s'en fout, elle parle de guerre. Quelle guerre? Les conneries de Facebook, les histoires de Facebook. Tu as ta fille à côté. Demain, là, tu tombes, c'est elle qui sera là pour toi. Personne de Facebook ne sera là. Rien que pour le cri de ta fille, tu plies tes âmes. Parfois, il y a les guerres qu'on ne fait pas, pas parce qu'on n'est pas fort, mais parce qu'on préfère garder sa famille au chaud et protéger son entourage. Mais Nadège s'en fout. Elle entre à cause et âme dans les... Elle est prête à faire la guerre. Elle est prête à salir tous les Camerounais. À salir qui même... On va sortir tous les voix. Attention, les noms des gens vont sortir comme ils disent. Et ces gens-là, est-ce qu'ils ont demandé à être là? C'est leur intimité. Tu fais tes choses. C'est comme toi, la Dorcas. Tu pars demain tirer un coup, ta copine te filme. Demain, elle vient te faire le chantage et balance ici que voilà. Dorcas, c'est double cible. Est-ce que c'est toi qui es venu dire ici sur Facebook que tu es double cible? Non. Donc, arrêtons un peu de dire que les gens, on doit les montrer qui ils sont. Non, vous prenez la vie privée des gens, vous venez sur les réseaux sociaux avec. Et vous voulez qu'on tape sur ces gens. On les interdit au Cameroun. Ils ont fait quelle propagande? C'est vous qui publiez, qui faites la propagande du lesbinage et de la prostitution. Moi, je ne savais pas aujourd'hui. Je sais qu'on sent les fesses déjà, on paye 80 euros. Je n'avais jamais entendu ça. Hein? Moi, j'en ai fini. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup de m'avoir laissé parler. Bye bye. Merci, ma chérie. Bonsoir madame, bonjour plutôt. Bonjour. Ouais, excusez-moi. J'ai deux questions d'abord. Déconnecte-toi alors si tu as fini de parler. J'ai dit celle qui a fini là, si elle peut se déconnecter. Ok, attends, je vais me déconnecter. J'ai deux questions possibles. Ma première question, c'est que est-ce que vraiment toutes ces personnes-là, tout ce qui se passe sur la toile-là, est-ce que ces gens-là connaissent les droits? C'est ce que moi je les pose d'abord, s'ils connaissent les droits. D'abord, la loi interdit d'enregistrer quelqu'un à son insu. Ça, c'est d'abord de un. De deux, de publier en possible quelqu'un, comment je peux vous dire, sans que la personne ne soit consentante à cette publication-là. C'est condamnable. Quand je vois tout ce que vous faites sur la toile-là, je dis vraiment, sans vous mentir, c'est que toutes ces personnes-là, de la personne qui a enregistré et la personne qui a partagé la vidéo, tous sont des prisonniers. Vous comprenez, madame? Oui. Tous sont des prisonniers. Il peut seulement qu'une personne qui a vu sa photo qui était publiée comme ça, la personne dépose plainte, tous sont des prisonniers. C'est interdit, c'est interdit. Ce que vous dites là depuis, oui, vous parlez depuis là, c'est, je ne comprends pas. Ça, c'est interdit.
d'enregistrer quelqu'un sans le consentement, sans la, sans la personne, et de publier la photo de quelqu'un sans demander à cette personne. C'est interdit, madame. Ce n'est pas bon. Vraiment, vous, les Camerounais, essayez au moins de donner une très belle image de votre pays. Vraiment. Qu'est-ce que vous faites? C'est le seul pays, vous, les Camerounais, vraiment, c'est le seul pays dans le monde entier. On dit que, vraiment, que Facebook a été créé que rien que pour vous, les Camerounais. Hein. Quelle image? Qu'est-ce que vous faites comme ça, mes soeurs? C'est hein? Ça. Est-ce que vous pensez un instant même à vos petites soeurs qui sont encore, comment je peux vous dire, au Cameroun, eux-mêmes ici, qui cherchent même à se marier? Est-ce que vous avez pensé un instant à ça? Vraiment, si vous avez raté votre vie, allez boire l'eau, vous dormez. Pour pouvoir de publier ceci, cela, c'est quoi ça? Quelle image pour vous? Quelle image pour la femme camerounaise? C'est très sale. C'est comme si le diable est installé au Cameroun. Non, pas comme, madame, c'est pas comme le diable est installé là-bas. Ce sont des femmes comme ça qui installent le diable au Cameroun. Regardez-vous-même, ça c'est une honte. Une très honte, c'est pas bon. Hein? Oh mon Dieu. Comme ça, mon Dieu. Même pour venir marier une Camerounaise. Les gens vont commencer à... Mais qui va attendez, qui? Comment il y a un privé qui dit c'est un grain de maïs qui gâte tout un sac? Qui va tenter? Qui va aller prendre le diable? C'est un grain de maïs qui gâte tout un sac? Quand tu vas aller prendre une fille, un étranger, tu es dessus camerounaise, mais il va dire, ouais, mais vous là, les réseaux sociaux, c'est pour vous. Tout le monde a peur de voir sa face sur les réseaux sociaux. Oh, mais c'est vraiment changé. C'est arrêtez pourquoi ça. La majorité des gens sont en train d'attister pour que Nadège soit le reste des voix, que les noms des gens, parce qu'ils savent que ce n'est pas bon. D'abord, madame, à ce niveau. D'abord, à ce niveau, si tu arrêtes même d'abord comme ça. Même si on dénonce le lesbianisme, je ne suis pas pour qu'on publie les gens. Vraiment. Les gens peuvent se suicider. C'est très dangereux, c'est la prison. Les gens peuvent se suicider. Madame, je vous le jure en sainte vérité, c'est parce que parmi tous ceux que ces photos ont été publiées dans les réseaux sociaux, il n'y a personne qui a pu le croire pour déposer plainte. Quelqu'un dépose plainte pour ça, je vous le jure, ils vont descendre. Le problème, c'est qu'elles sont futées. Ce n'est pas des personnes publiques qui publient, c'est une faux profil. On va porter plainte à qui? Mais vous savez, madame, tout à l'heure, vous l'avez dit qu'il y a... Qui est en train de se jouer. Bah, je ne sais pas, je ne connais pas. J'écoute seulement comment vous dites, je regarde seulement dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut seulement que vous arrêtez ça dès maintenant. Parce que beaucoup le monde entier vous suit. Il n'est pas en train de se passer directement. Les gens sont en train de faire ça en faux profil. Est-ce qu'on peut tracer les faux profils, mon frère? Ce n'est pas les personnes publiques qui publient, c'est les faux profils. Et les faux profils, on fait comment pour avoir ça? Est-ce qu'on soupçonne que c'est elle? On ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'on a soupçonné, on veut les preuves. Ah, vraiment, mes soeurs, vraiment, je vous en supplie beaucoup. Arrêtez comme ça. Donnez au moins l'image de votre pays. On ne fait que dire que non, laisse que ça sorte. Laisse que ça sorte. Non, c'est pas bon. Vous voulez comprendre plus de noms cités en Ngongo? Pardon. Moi, je parle. C'est bon. Je parle quand même ici. Le nom de qu'on vous a donné là, vraiment, mettez ça sous vos dents au moins pour 6 mois. Ce qu'on a entendu là, sur Facebook là, vous pouvez grincer vos dents avec. Pendant 6 mois, ça ne finit pas. Laissons garder le reste. C'est bon. Si on vous verse maintenant, vous allez comprendre quoi après. Mais d'une part, madame, sans vous mentir, d'une part, si je connais le gouvernement camerounais, hein, parce que si le gouvernement les arrêtait comme on arrête en Côte d'Ivoire, là, c'est qu'ils ne vont plus faire ça. Hein. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu déposes plainte à quelqu'un pour ça, tu arrives à bon, on t'arrête. Hein. On t'arrête là-bas, on t'arrête. Mais c'est parce que au Cameroun, on ne fait rien. En France, là, vraiment, même la justice française,
la France aussi tolère les choses. Ici, chez nous, aux États-Unis, ton professeur ne peut pas s'asseoir en monovision. Elle fait écouter les voices compromettantes parce qu'ici, là, on protège les homosexuels, les droits. Hein. C'est n'importe quoi. C'est que la police la prend le lendemain. Mais en France, on tolère les choses. C'est pourquoi vous avez se laissé aller là comme ça. Vous devez faire du mal aux gens, publier les gens. Ici aux États-Unis, ça ne peut pas se faire. Tout votre buzz que vous faites là, c'est en Europe. Vous avez vu ça ici aux États-Unis. Madame, essayez vraiment de les calmer comme vous l'êtes en train de faire. Vraiment, je vous encourage beaucoup. Essayez de baisser en pour... Nadège en position de force. Fleur Delisle connaît que Nadège en position de force. C'est pourquoi elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce que ça ne l'intéresse pas, c'est faux. Elle ne parle pas parce qu'elle ne connaît pas l'ampleur de ce que Nadège tient. Elle ne veut pas prendre le risque. Bon, beaucoup de courage à vous, madame. Vraiment, j'espère que vraiment mon message là, ça va essayer un peu de l'autre mère, je crois. Sur la toile. Que dès que quelqu'un touche son nom comme ça là, eh bien, moi-même, j'ai touché son nom, elle a fait le live pour me clasher. Si vous la voyez, elle ferme sa bouche, c'est que ça crie. Elle ne ferme pas sa bouche parce qu'elle n'a rien à dire. C'est que ça crie. Elle est dépassée. C'est le plus gros baisse qu'on a offert depuis qu'elle est sur Facebook. Elle ne sait pas jusqu'où ça peut aller et ce que la fille tient. Elle ne veut pas que ça sorte. C'est pourquoi elle a déposé les armes. Ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas parler, non. Elle aime parler. Mais elle est en position de faiblesse. Elle sait que si elle, on a, elle sait qu'on on la calcule, que Nadège attend seulement qu'elle touche que. Elle connaît que les vrais voix ne sont pas encore sortis. Elle sait ce qu'elle a fait avec Coco. Et elle connaît que Coco, c'est une enregistreuse de talent. Elle sait que Coco n'a pas de scrupules. Elle sait qu'à la première occasion, Nathalie Mbappa ne va pas la rater. Elle sait qu'à la première occasion, Wakatologue ne va pas la rater. Donc ça la convient. Flo, c'est quelqu'un qui. Elle est très. Elle sait ce qu'elle fait. C'est pourquoi elle a battu en retrait. Quand elle est venue au début, la première lave qu'elle a fait pour attaquer Nadège, elle ne connaissait pas les armes que Nadège tenait. Quand Nadège a commencé à bombarder, rien qu'un petit aperçu. Elle a battu en retrait. Et elle est au calme. Pour la première fois dans l'histoire, on voit Flore Delisle calme. Les abeilles vont dire quoi, mais vous-même, les abeilles, vous n'avez pas la tête. Parce que vous-même, vous êtes cité à ce qu'on ne fait que sortir. Vous êtes en faux profil, ça ne vous concerne pas. Mais c'est Flore qui est publiée, c'est sa vie privée qui est exposée. C'est elle qui est meurtrie dans son âme. Vous allez dire qu'elle s'en fout, c'est faux, elle s'en fout pas. Elle est meurtrie dans son âme. Parce que c'est des choses que tu n'aimerais pas que ta famille entende. On peut te publier avec un homme, c'est la norme des choses. Mais avec une femme, aucune personne dotée de toutes ses facultés mentales. Même si elle va venir jouer la dure sur Facebook, elle s'en fout, c'est faux, elle ne s'en fout pas. Elle est meurtrie dans son âme. Le visage a changé. Quand vous la voyez faire les sorties maintenant, quand vous voyez le visage de Flore, elle est touchée. Les abeilles qui ont compris, vous sentez qu'eux-mêmes, ils n'insultent pas. Ils sont en train de fermer la bouche parce qu'ils veulent taire. C'est les abeilles qui n'ont rien compris, ceux qui ont la bouillie à la tête, qui sont là en train d'insulter. Ceux-mêmes qui ont compris, les responsables qui sont dans la team de Flore, ils sont en mode tranquille parce qu'ils savent que si ça sort, c'est pas bien pour les patrons. C'est pas bon pour les patrons. Donc moi, je demande à Nadège de revenir dans le live. Nadège, reviens dans le live, ma chérie. Je n'ai pas fini avec toi. Reviens dans le live. J'ai causé avec Lolo. Peut-être vous venez d'être sur la... Vous venez de mettre notre précédent live. Ça fait peut-être 8 heures de temps que je suis en train de faire le live. J'ai déjà supplié jusqu'à... J'ai arrêté les pieds de Lolo. J'ai dit que Lolo,
Pardon, Wakatologue, c'est ta personne. Si tu parles à Wakatologue, elle va comprendre. J'ai attrapé les pieds de Lolo dans mon live. Au moins, on a fait 6 heures de temps de live. Si vous partez même sur le live, vous ne pouvez pas suivre jusqu'à la fin. Parce que c'était grave dans le live. C'était grave. La reine Mébio était là. Lolo était là. Wakatologue était là. Wakatologue était là. Même la lionne était là. Qui encore était là? Ou c'est qui là? La petite fille qui est venue ça, s'est fâchée beaucoup comme ça là. On l'a pris là. Dorcas, bonjour. Lolo a promis que Wakatologue va déposer les armes. Que Wakatologue ne va plus faire les sorties en une seule condition. Que le camp d'en face dépose aussi les armes. Et moi, j'interpelle les fans de Fleur de Lys. Et Fleur de Lys, j'interpelle compresseur. Ça ne vous convient pas d'aller en guerre. Vous êtes en position de faiblesse. Mieux vaut. Hein? On appelle ça quoi? Mieux vaut. Un faible, un lâche vivant qu'un héros mort. Je répète. Mieux vaut un lâche vivant qu'un héros mort. J'interpelle les gens de Fleur de Lys. J'interpelle les gens de Compressor. Je suis en train de dire, vous êtes en position de faiblesse. Déposez les armes. Si vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en position de faiblesse, parce qu'on tient trop de trucs compromettants sur vous. Et pendant qu'on va vouloir se venger de vous, il y aura les dégâts collatéraux. Il y aura les gens qui vont prendre les balles perdues. Allô? Oui, ma chérie. Donc, pardon. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour, ma chérie. Oui, chez nous c'est bonjour, mais c'est que chez vous c'est pas bon. C'est pas encore bonjour. Bon. Maman, je suis encore là, non. Je ne fais que supplier que vraiment qu'on. On dit que oh, on ne peut pas promouvoir le lesbianisme. Supplier, je ne suis pas en train de promouvoir le lesbianisme. En fait, mon appel ce matin. De nous saler. On est en train d'éclabousser la femme camerounaise dans la boue. Vraiment, si on sort pour les artistes camerounais, comme c'est il y a ça, hein. Si ça vient sur la toile, alors, laisse-nous aussi parler, s'il te plaît. Laisse-nous aussi parler, maman. Oui, la personne qui est d'abord venue là doit d'abord prendre la parole. Ok, merci, ma puce, merci. En fait, moi, je suis Bamoun et je ne suis pas d'accord de ce qui se passe, premièrement. Et de la même coco Kouatou, c'est ma nièce, c'est l'enfant, la fille de à ma grande sœur, je ne peux pas la nier, parce que c'est mon sang. Et en passant aussi, je ne cautionne pas ce qui se passe, mais c'est son choix de vie. On s'en fout, c'est son choix de vie. Ce qui me dérange, c'est juste parce que c'est sorti, c'est dehors. Voilà pourquoi moi je passe sur cette directe, parce que tout ce qui se passe est dehors. Et nous, on ne peut pas cautionner cela. Mais ça n'empêche pas que ça ne me dérange pas de causer avec ma nièce. Ou ça, c'est son choix de vie. Vous comprenez un peu. Ce qui me dérange de tout ça, c'est parce que tout ça, à la base, c'est Fleur. Je redis et je redis, même avec Cocon Cueto, je viens de parler, que fais attention parce que tu as les enfants à ta charge. Et tu dis est-ce que tu peux inviter Coco de venir dans le live? Je ne peux pas l'inviter. Parce que toute la famille, on dit qu'elle ne doit plus passer dans le live, qu'elle reste tranquille. Hey, c'est des trous. Maman, est-ce que vous voyez les dégâts qu'elle est en train de faire? Non. Bonjour. Non, écoutez. La famille, même là, ma soeur, dites-moi aussi. Oui, écoutez. Vous lui parlez à la maison. Je pense que c'est là pour la mémoire de ma grande soeur. Qui est la mère de Cocon Cueto, qui est encore vivante. Parce que je parle en tant que la tante de Coco.
que moi-même, je ne suis pas d'accord sur ce qui se passe, mais c'est son choix de vie. C'est que je crois encore. C'est Zéro la patronat. Ok. Ce qui se passe sur la droite, la plupart de toutes les femmes dans ce monde sont des lesbiennes cachées. J'ai dit la plupart, même ceux qui interviennent, certaines femmes qui interviennent là sont des lesbiennes cachées. Quand on est lesbienne, on ne doit pas sortir écrit sur le visage ou sur le front que je suis lesbienne. Chacun assume à son niveau. Voilà. J'ai dit que chacun assume à son niveau. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est la base, c'est Flo. Que Flo arrête d'attaquer les gens. Pourquoi? Pourquoi la base, c'est Flo? Flo qui a commencé à faire les posts sur Nadège. Merci, ma chérie, je suis très d'accord avec toi. Merci. Flo qui a commencé à faire les posts sur Nadège. Et Nadège s'est sentie frustrée. Et elle s'est sentie en danger. Voilà pourquoi Nadège sort pour se défendre. Voilà, c'est ça que ça te dit. Au lieu de d'aller en guerre avec Nadège, je parle là. C'est comme moi-même, j'ai parlé avec ma nièce. Ma chérie, tu peux me laisser parler parce que je vais vous laisser. Moi, je ne suis pas. Je suis désolée. Je suis désolée. D'accord. Oui, Dorcas, tu sais, c'est trop facile de venir sur Facebook et dire à Nadège de laisser. C'est trop facile parce que lorsque Flore fait des choses, pourquoi tu ne prends pas ta caméra? Quand Flore a commencé, pourquoi tu n'as pas pris ta caméra et prendre ton téléphone et faire le direct et dire à Flore que Flore arrête ça tout de suite? Mais aujourd'hui... Maman, est-ce que toi, ma Flore, je suis en train de clasher Nadège? Non, laisse-moi parler, Dorcas, s'il te plaît. Aujourd'hui, quand tu vois que Flore est en position de détresse, parce que tu vois que Flore n'a pas de balles pour aller en guerre, parce que si Flore avait les balles pour aller en guerre, elle serait déjà partie en guerre. Non, parce qu'il y a les dégâts collatéraux, ma chérie, ce n'est pas par rapport à Flore. Il y a les dégâts collatéraux. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, tu vois que Flore est en position de détresse, parce que tu vois que Flore, aujourd'hui, elle n'a pas de balles pour aller en guerre. Et c'est que, tu sais aujourd'hui que non, l'arme de Flore n'a plus de balles. Donc Flore ne peut plus tirer à balles réelles. Il faut que tu sautes à son secours. Est-ce que tu n'as pas vu tous les dégâts que Flore a mis sur Facebook? Tous les dégâts que a eu à Facebook. Alors, quand elle a direct, elle a inventé, elle a fait tout. Tu n'as rien vu. Tu n'es pas sorti. C'est trop facile. Laissez Nadège aller en guerre. La guerre de quoi? Allô? 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 Oui, je peux un peu continuer, s'il vous plaît. Oui, il n'y a pas deux solutions à la guerre. À la guerre, c'est soit tu pars, tu meurs. Soit tu reviens, tu es vivant. C'est ça la guerre. Donc, laissez Nadège aller en guerre. Vous avez compris? Parce que si le camp d'en face avait les balles, le camp d'en face allait tirer sur Nadège à balles réelles. Et tout le monde le sait sur Facebook. Tu comprends, non? La personne, Coco Kouetou, n'a rien à voir dans cette histoire. La personne, le problème, le nœud du problème, c'est Flore. Parce que lorsque tu connais quelqu'un, tu ne pars plus t'hasarder avec cette personne-là. Lorsque le serpent t'a déjà mordu, tu as peur même de la peau du serpent. La peau du serpent te fait peur. Donc, aujourd'hui, là, c'est trop facile de venir dire à un Nadège, laisse. Nadège, c'est Flore qui est venue en premier lieu. Maman, c'est ton avis. Tu es peut-être la deuxième personne qui dit que non, que Nadège continue. On doit prendre les avis. Non, laisse-moi finir. Donc, moi, je suis en train de conduire, je pars au boulot. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu conduis, ton réseau ne passe pas, ma chérie. C'est un problème de réseau. Non, on se clash entre nous. On se clash entre nous. En clashant Nadège, elle a insulté ses enfants. Tu n'as rien dit. Tu n'es pas sorti pour dire que non, Flore, clash Nadège, mais laisse les enfants. Non, tu as laissé faire. Mais aujourd'hui, comme tu vois que Flore ne peut plus aller en guerre, aujourd'hui, quand tu vois qu'on a des gens... Non,
parce que Flore aussi a tiré sur les gens qui ne faisaient pas partie du problème. Quand elle tire sur les enfants de Nadège, est-ce que les enfants de Nadège font partie du problème? Les enfants de Nadège ne font pas partie du problème, mais elle a tiré sur les enfants de Nadège. Donc laissez aussi Nadège tirer sur tout le monde. Que chacun donne son voilà. Avis, que chacun donc, je vais donc chuter. Moi, je vais chuter. Si vous décidez, on va faire. Si vous dites que non, oui, on les je vais chuter. Je vais chuter parce que j'ai peur. La police peut me prendre. Je vais chuter en disant ceci. Nadège, comme tu es dans le live, je sais que tu m'écoutes. Tu me connais, Nadège. On a une amie en commun, c'est Coco de Liège. C'est notre amie en commun. Donc, Nadège, moi, je peux te dire ici, Roha, que Emma, à la guerre comme à la guerre, on continue. Tu ne laisses rien. C'est comme ça. Ça c'est la haine. Bonne journée à tout le monde. Bonne journée. Allô. Laissez-moi aussi chuter, s'il vous plaît. Moi, je n'ai même pas encore parlé. Oui, comme j'avais, la dame m'a un peu coupé là, donc comme elle disait qu'elle était en train de conduire, voilà pourquoi j'ai arrêté. Attends, quand tu peux couper, s'il te plaît, coupe-moi, je suis au volant, s'il te plaît. Ton nom, c'est quoi? C'est Sandra Menga ou c'est quoi? C'est Sandra, enlève Sandra, s'il te plaît. Je n'arrive pas à... Ok, ça va. C'est bon. Oui, en fait, Docas, comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est Flore. Parce que si Flore n'est pas sorti, fait des postes sur Nadège, les choses ne devraient pas être dehors. Et je demande à tout le monde de dire à Flore d'arrêter. Et Flore, je sais que tu vas voir ce direct. Que tu arrêtes de chercher des problèmes où il ne faut pas. Quand on est lesbien, tout le monde sont des lesbiens. Toutes les femmes sont devenues des lesbiennes. Tu sens à nos jours, la plupart, au moins 98, sont des lesbiennes cachées. Arrêtez de vous afficher sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas des enfants. Et arrête de chercher les problèmes où il ne faut pas. Arrête d'attaquer les gens et rentrer à toi comme si tu n'avais rien fait. Parce que tu sais que les abeilles vont te supporter. Arrête ça. Le tour, c'est même les abeilles. Arrête ça, bon, tu attends ça. Tu attends ça, Coco, et tout. Et quand les choses, quand ça commence, c'est toi. Quand c'est toi qui commence à faire sortir les choses. Et après, quand elle-même commence aussi à balancer, les gens commencent à la traiter du n'importe quoi, de mauvaise fille, de ceci, de cela. Arrête de menacer cette fille et arrête de te comporter ainsi. Arrête de chercher les problèmes où il ne faut pas. C'est des trop, tu as trop fait. Comporte-toi comme une grande sœur. Pour qu'on doit pas. Tu ne trouves pas que tu devais aussi dire à Coco d'arrêter d'enregistrer des gens et de balancer. J'ai voilà. Aussi, comme je parle là, je parce que c'est elle ce que je dis là, c'est ce que moi-même j'ai dit à Coco tout à l'heure. Et chaque seconde, je parle avec elle. Et quand je vois une personne en direct, j'envoie le lien pour qu'elle entre dans le feu direct pour écouter elle-même ce qui se passe. Comprenez un peu. J'ai essayé d'envoyer le lien. Tout à l'heure, je suis encore sortie en direct parce qu'elle voulait l'envoyer le lien. Pour qu'elle-même vienne regarder. Pour qu'elle-même soit en direct pour voir. Coco, envoie la demande d'amis. Vraiment, les Camerounais veulent te parler. Coco, moi, je te demande en tant que ta nièce d'arrêter d'enregistrer des gens. Ce n'est pas une vie. Non, attends. C'est pas une bonne vie. Je peux m'exprimer. Oui, oui, madame, vous pouvez. Coco doit entrer dans le live. Coco, tu es dans le live, entre dans le live. On a besoin de te parler. Je peux parler? Il y a une dame là, c'est Carole. Carole qui? Carole, c'est Vazien. Flore a fait quoi? Vous n'êtes pas fatigués. Nous ne sommes pas fatigués. Parce que toi-même, tu es une autre. Tu es une autre. Madame, voilà pourquoi nous ne sommes pas fatigués. Madame, on va passer par le Flore. Ok, allez-y, madame. Bonjour. J'ai compris ce que vous êtes en train de dire. Nous vivons tout ça sur la toile. Mais vous êtes la tante de Coco. Donc, s'il vous plaît, je reviens encore dans le live. Je vais envoyer le lien à Coco. Ok, ma chérie. Vous êtes en train de convainc Coco de venir dans le live. Elle doit venir nous parler ici. Convainc Coco qu'elle vienne dans le live. Parce que tous les protagonistes de les choses là ont été venus dans le live. Madame, laissez-moi m'exprimer. Je m'adressais à la dame qui vient de partir, la tante à Coco, là. Je ne suis pas en train de blanchir Flore. Je ne blanchis pas Flore. D'accord? Mais vous ne savez pas... Le volume est bas.
Allô? Ouais, là, c'est mieux. Oui, c'est mieux, ma chérie, c'est mieux maintenant. Alors, je disais tantôt que je m'adresse plus à la dame qui vient de partir, la tante à Coco. D'accord? Nous avons tous vu ce qui s'est passé sur la toile. Si Flore a commencé à faire des posts d'après moi, ça veut dire qu'il y a déjà eu une fuite d'abord à la base. Il y a une fuite à la base. Elle ne s'est pas levée du bon matin pour venir faire, pour commencer à mettre des posts. Alors, il y a eu un problème qui s'est passé à la base où elle était indexée. Plus d'une fois, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu. Maintenant, la personne a visé, la personne a attaqué, la personne a moralisé. C'est Coco qui passe son temps à enregistrer des gens. Coco a les problèmes avec Nadège et Papa. Elles ont des problèmes. On ne sait pas comment le problème a commencé. Mais maintenant, Nadège Papa a des voices. Elle mêle tout le monde à l'intérieur. Parce que déjà, les artistes, je peux dire, les comédiennes qui ont été citées dans les voices n'avaient pas lieu d'être. Quand vous allez en guerre avec quelqu'un, allez en guerre avec la personne avec qui vous avez des problèmes. Indexez la personne avec qui vous avez des problèmes. Allez en guerre avec cette personne. Parce que quand je regarde, j'entends tout ce que vous dites. Tout ça tourne autour de Flore. Tout ça tourne autour de Flore. Dès qu'il y a un truc qui sort, oui, Flore. Pourquoi? Commençons par Coco, en fait. Coco, qu'est-ce que Coco a fait? Coco a eu des problèmes avec Nadège Papa. Pourquoi Coco ne s'attaque pas à Nadège Papa? Si Flore a fait une sortie, et même la sortie que Flore a faite, ce n'était même pas... Elle a dit, si tu continues, franchement, ça va aller loin. Oui, elle a peut-être dérapé en mêlant la fille de Nadège Papa. Ça, ce n'est pas bien quand il y a les clashs de ses enfants. Là, elle est condamnable. Mais je suis sincèrement désolée. Quand on s'attaque à la personne qui nous a fait du mal. Maintenant, vous voyez, Wakatolo, elle a mis les voix d'une personne parce que la personne, elle a dit, je ne me reconnais pas. Mais Wakatolo, en tant que femme intelligente, elle devait aussi dire, OK, je ne mêle pas ces personnes. Mais pour atteindre Coco, elle a pensé dans sa tête qu'elle atteint Coco. Mais ce n'est pas Coco qu'elle atteint. Elle a atteint d'autres personnes qui ont peut-être eu des aventures avec Coco. Elle a mené tout le monde. On dit à la guerre avec la personne. Parce que les innocents sont en train de payer les prix. Bon, chacun fait ses choses dans le noir, nous sommes d'accord. Coco va se malade. Chacun fait les choses dans le noir, nous sommes d'accord. Mais quand il y a un problème, vous prenez ici. Coco ne va pas aller en prison, c'est juste sa vie de devant. Vous prenez ici, c'est sa vie de devant. Après toutes ces personnes qui passent au visage, la tante de Coco, Coco arrive et dit que non, c'est Flore. C'est Flore. Coco, c'est une enfant. Coco, c'est une mère. Flore a fait quoi? Franchement, quand quelqu'un faute, il faut dire que la personne a faute. Moi, je ne suis pas abeille. Hein. Je ne suis rien de tout ça. J'interviens juste parce que je suis tombé sur le nez. Quand quelqu'un faute, donnez le tort à cette personne. Parce que la tante, elle dit, oui, j'ai dit à ma nièce que, wow, d'accord, sa nièce, chacun vit sa vie comme il veut faire. D'accord. Même dire que non, c'est Flore qui a fait. Coco a 10 ans. A-t-elle 10 ans, Coco? Déjà, c'est condamnable d'enregistrer des gens. C'est condamnable par la loi d'enregistrer. Vous avez dit tout à l'heure quand le monsieur a dit comme quoi, c'est un faux profil qui a publié les voices. Oui, c'est un faux profil. Avec l'adresse IP, on retrouve ce faux profil. Nous sommes en Europe, la technologie est avancée, je suis désolée. Juste avec son adresse, même si c'est le faux profil, on retrouve qui a fait ça. Et on porte plainte. Et cette personne va écoper, elle va dire qu'il a envoyé des voices. Parce que c'est dégueulasse, franchement. Vous êtes nos mamans, parce que moi, je n'ai même pas votre âge. Vous êtes nos mamans, vous devez nous montrer, franchement, le bon exemple. Mais en même temps, vous, madame, qui avez organisé le live, vous avez dit que vous êtes là pour la paix. Mais depuis tout à l'heure, je vous entends, vous avez pris parti pris. Avant, vous étiez abeille, en fait. Maintenant, vous avez eu un problème avec Flore. C'est le genre, OK, j'ai un problème avec Flore, je vais me rallier à ses détracteurs. Je suis désolée, madame. Quand vous venez dessus la toile pour faire la paix, cherchez à faire la paix. L'histoire est déjà allée très loin, franchement. Et je pense que ça irait encore peut-être plus loin que ça. Mais le but, c'est de couper ça parce que ça ne fait du bien à personne, en fait. Quand vous dites que Flore n'a pas des balles, Flore elle a fermé sa bouche, ferme nanani. Mais excusez-moi, franchement, à un moment donné, peut-être elle n'a pas les balles, peut-être elle a les balles. Mais en ce moment, peut-être elle est dans les bruits, en fait. Mais à un moment donné, il faut... Quand quelqu'un prend l'initiative, vous avez, franchement, j'apprécie ce que vous êtes en train de faire. Attendez un peu. Je suis en train d'écouter sur mon autre téléphone. C'est comme si c'est deux personnes qui parlent. J'entends quelqu'un qui dit que moi, j'étais abeille de Flore de Lille. Moi, je ne comprends pas. C'est moi qui suis en train de parler. J'ai dit, vous étiez abeille de Flore de Lille parce qu'apparemment, vous étiez des amis et vous êtes gâtés, non? Je n'ai, non, rectification, je n'ai jamais ni de près ni de loin. Arrêtez-vous de prendre ce que vous avez à moi.
C'est une dame que j'ai rencontrée ici dans ma ville. On l'a invitée ici pour la première fois aux États-Unis. Et ah, d'accord. Elle est blogueuse. Et elle, je savais que quand elle fait les trucs, elle a besoin de la vidéo. J'ai pris okay. les vidéos et que je lui ai remis. Je n'ai jamais, ni de près, ni de loin, été une abeille de Fleur de Lys. Je ne me mêle pas à ce genre de choses. Mais c'est une Camerounaise avec qui j'ai sympathisé et que elle était venue ici à Houston. Et en tant que Camerounaise, en tant que, à l'époque, elle était star Camerounaise, on a voulu lui rehausser. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce n'est que ce petit rectificatif que je voulais dire. Voilà. Allons-y, parler. Allô, bonjour. Bonjour, mon frère. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous ce matin. Oh, amen. Que la bénédiction de Dieu soit notre partage. La guerre n'est pas bonne, c'est la paix qui est bonne. Donc, je recommande la paix. Vraiment, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, voilà. comme l'a dit un frère là, ce n'est plus un sujet de Fleur de Lys ou de Coco, bien de Nadège et tout ça. C'est en fait l'image de la personnalité camerounaise qui est en jeu maintenant. Voilà. Parce que le monde nous regarde. On fait comme si les gens ne nous suivent pas. Il y a les Ivoiriens qui sont là. Il y a les Gabonais qui sont là. Il y a un peu de tout le monde qui sont là. Il y a toutes les nationalités qui sont là. Et puis, c'est la salité, en fait. Ce n'est pas vraiment digne des Africains que nous sommes, de l'éducation que nos parents nous ont donnée. Donc, mon conseil, je vais l'apporter, en fait, à Fleur, et si je peux me le permettre, à Fleur, à Nadège, à Coucou et tout ça. En tant que vos vies, on s'en tape, hein, on s'en tape de ce que vous faites. Mais du moment que vous ramenez ça sur la toile, moi, je ne cherche pas qui a fait, qui a commencé, qui est quoi, qui a publié. Mais moi, je pense que si tu sais que tu es ce que tu es, donc tu prends des précautions et fais en sorte que vraiment ça reste ça, ça reste pour toi. Donc, que ça soit Coco, que ça soit Nadège, que ça soit Fleur de Lys, vous êtes tous responsables. Voilà. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est plus ou moins responsable que l'autre. Vous êtes tous responsables. Vraiment, je pense qu'on devait condamner tout le monde sans chercher à voir vraiment qui est coupable, qui a raison, qui est comment. Voilà. On devait condamner tout le monde, vraiment. On devait vraiment condamner tous ces influenceurs-là qui font ce genre de choses. Parce que la particularité d'amener voilà, toutes les histoires. Nous sommes en train de rechercher. Oui. Les portes de sortie. D'accord. Donc, tout le temps, vous ramenez vos histoires privées. Bah, ce qui est sûr, c'est quelqu'un, l'autre a blessé. Ce qui est sûr, ça commence. Voilà, ce qui est sûr, il faut voir entre vous. Ce qui est sûr entre vous, c'est toujours quelqu'un qu'on a blessé. Il prend les histoires des vies privées des autres pour amener sur les réseaux sociaux. Mais les autres ne vont pas se laisser faire. Il faut essayer de conseiller autour de vous. L'influence, ce n'est pas ça. On n'appelle pas ça de l'influence. Ça, ce n'est pas les influenceuses. Là. Ça n'apporte rien à la communauté camerounaise. Ça n'apporte rien aux jeunes du Cameroun. Ça n'apporte rien pour le développement au Cameroun. Ça n'apporte rien dans la société camerounaise. Si ce n'est que ça influence négativement, voilà. Donc ça, c'est pas des commentaires qu'on doit se mettre à parler et puis et à dire des choses, voilà. On doit pas se mettre à prendre des partis pris ou bien à faire des justifications entre autres. Donc essayons un peu d'apaiser la tension, de faire en sorte que ce machin là, ça passe rapidement sur les réseaux sociaux, sans toutefois même chercher qui a tort, qui a raison. Pendant que je suis en train de dire qu'on apaise, pendant que je suis en train de proposer qu'on apaise, d'autres disent que non, on doit aller en guerre. Ça ne nous honore pas. Voilà, donc c'est tout. Hein. Mais s'il y a maintenant les coupables, ou bien que la loi doit intervenir, mais ça les regarde. Mais maintenant, essayons d'éviter de continuer à vraiment faire des publicités de ce genre de choses. Ça ne nous convient pas, vraiment. Donc, je m'arrête là et je vous souhaite à tous bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de gens sont en train de dire que vraiment on doit trouver une solution parce que ça ne nous honore pas.
C'est vrai que tout le monde veut que les voix là sortent, qu'on entend les noms, on entend les voix, mais vraiment, ça nous salit. Allô? Toi, la tante de Coco. Allô? Il fallait que Coco vienne, parce que ta soeur, elle est en train de faire fort. Tu ne m'écoutes pas? Oui, maman, je t'écoute là. Je l'ai un peu appelé sur WhatsApp là, elle n'a pas appris. Donc, je lui ai envoyé le lien. Apparemment, elle sera là. Elle a dit qu'elle va venir. Oui, donc je ne l'ai pas trouvé sur WhatsApp. Donc, je lui ai juste envoyé le lien. Ce qui est sûr, elle va voir le lien. Comme nous sommes encore là, elle va intervenir. Je ne sais pas. Pardon, qu'elle vienne intervenir. Qu'elle vienne. Parce qu'il y a Nadège qui est passée. Nadège dit qu'elle n'a jamais enregistré. On n'a jamais enregistré pour, pourquoi donner un téléphone à Coco qui a enregistré. Non, elle a dit que le téléphone qu'elle a donné à Coco, c'est le Choroko. Les téléphones qu'on fait les call box au Cameroun, on n'enregistre pas avec ce téléphone. Donc Coco doit venir démentir si c'est vrai ou c'est faux. Je vous reviens encore. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour mon frère, bonjour. Comment tu vas? Ça va très, très bien. Cette histoire prend une ampleur qui déshonore beaucoup Camerounais. On a déjà la vie qui n'est pas du tout facile. Et tout ce que je note dans cette histoire, c'est que vous continuez à salir l'image des Camerounais avec toute cette histoire, parce que ça n'a vraiment pas lieu d'être. Une vie privée reste une vie privée. Et si vous continuez sur la même lancée, je dis bien, je suis peut-être en faux profil, je serai dans l'obligation de tout vous dénoncer, toutes les influenceuses là, parce que vous faites partie de cette saleté. Hé, mon frère. Non, vous faites partie de cette mon saleté. Frère, je suis avec toi, mon frère. J'ai à parler. Je suis en faux profil. Je vous jure que cette histoire ira très, très loin. Qu'est-ce qui vous fait croire? Qu'est-ce qui vous donne l'autorité d'enregistrer les gens à leur insu, quel qu'en soit ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les Camerounais? Vous n'en avez pas assez? On a nos vies à gérer, on a du mal, et on écoute toutes ces mamans. Vous croyez que c'est facile? Des vieilles femmes. C'est fou, parce qu'en fait, vous êtes en train de mettre sur pied Je ne sais pas comment on dit la chose. Ce truc-là, ça aurait un effet boomerang. Et nous allons tous payer le prix fort. Croyez-moi, jusqu'à ce que quelqu'un meure dans cette connerie que les gens sont en train de faire, juste parce qu'il y a cette monétisation, il n'y en a que de l'autre côté, c'est Coco, de l'autre côté, c'est la reine Mère Bio. Vous dites des choses insensées. Et des gens qui sont supposés avoir un niveau intellectuel aussi bien poussé pour pouvoir éclairer les gens autrement. Voilà que nous passons des heures sur Facebook à raconter que des conneries. Flo a fait ci, Coco a fait ça, et Nadège Bapa qui expose la vie de sa famille juste parce qu'on a dit des choses. Je suis pas d'accord. Vous êtes à dénoncer. Et ça, il faut le dénoncer. Merci. Merci beaucoup. Allô? Merci de m'avoir parlé. Allô? Allô? Merci. Allô? Oui? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, ma belle. Oui, voilà. Ce que je vais dire ici, c'est que tout d'abord, je ne sais pas, je vais déjà parler de vous, excusez-moi, parce que moi, je constate que vous avez un peu un parti pris. Et ceci, c'est depuis votre dernier direct dont j'ai suivi la dernière fois. Vous avez donné des conseils à... Vous êtes en train de donner des conseils à Flore pour... c'était à la veille du truc du conseil de Lady Ponce. Vous étiez en train de lui dire, soi-disant, je sais pas, j'ai pris des trucs un peu en coup, soit du genre, elle ne doit pas aller parce qu'on va l'empoisonner, ceci, ceci et cela. Bref, vous étiez en train de lui donner des conseils. Non, je n'ai jamais dit pas du tout. J'ai dit qu'on pouvait enlever sa perruque et là, c'est... Je n'ai jamais parlé de l'empoisonner. Mais vous étiez en train de quand même de lui donner des conseils de ne pas aller oui, à ce conseil. Voilà. C'est normal. Oui, madame. De la même façon oui. que je suis venue défendre Lolo sur Facebook. D'accord. Non, non. Oui, c'est tout à fait. Je suis en guerre pour Lolo.
Oui, madame, je suis justement en train de vouloir revenir un peu au fait. Vous voyez un peu, voilà. Donc, et après, Flore, elle a suivi le direct, elle n'était pas du tout d'accord, et qui est tout à fait normal. Vous l'avez donné un conseil, mais elle n'était pas d'accord, mais elle est venue vous dire non, elle n'était pas d'accord qu'elle va aller, pour votre point de vue, qu'elle va, elle devait aller. Mais je crois que c'est à partir de là qu'il y a, il doit avoir sûrement, je vais dire, vous avez maintenant, moi, parce que quand je vois, vous avez un peu trop de parti pris, par rapport à Flore, quoi. OK, là n'est même pas le problème. Moi, je n'ai pas pensé là par rapport à Flore, peut-être je suis incomprise. Non, je vais dire, écoutez, parce que quand je vois, vous tirez trop un peu sur elle, quoi. Depuis ce jour-là, depuis ce jour, je remarque que vous allez un peu trop du côté négatif avec Flore. Depuis ce jour, parce que vous avez dit qu'elle vous a clashé, vous avez fait un direct après son direct, vous n'étiez pas d'accord du fait qu'elle... Elle a tout simplement dit qu'elle partait au truc. Là, n'est même pas trop le problème. Moi, je vais dire ceci. Le vrai problème ici, c'est Coco. Vous écoutez très bien. C'est Coco le vrai problème. Parce que Flore est tout simplement, Flore est naïve. Flore, elle est naïve. Ça dit, elle est manipulable. Moi, je vais vous expliquer le pourquoi. Coco, qui vient prendre, ça dit, elle prend, elle enregistre Flore. Elle enregistre Flore quand ils sont ensemble, quand ils font tout et tout et tout. Elle va du côté de Nadège. Elle va avec Nadège. Dès qu'elle elle remet les voix de Flore à Nadège, elle prend les trucs de Nadège, elle vient quand elle sait qu'elle a des problèmes avec Nadège, elle vient manipuler Flore, elle remet les voix où Nadège est en train de parler de Flore. Parce que quand elle vient pour que Flore clash Nadège, quand elle vient donner des voix, elle donne quelle partie des voix? Elle ne donne que des parties de voix où Nadège est en train de parler de Flore en disant comme quoi elles sont en train de préparer un coup pour la clasher, pour exciter Flore à venir la sauver. Voilà. Le tuer, voilà. Et déjà, oui, justement, et elle ne dit pas à Flore que, écoute, moi j'étais enregistrée, que j'ai remis tes voix, ça dit j'ai remis tout ce que toi et moi on a fait à Nadège. Et Flore qui sort naïvement croyant que elle détient des choses de Nadège et que Nadège n'a rien contre elle. Vous voyez un peu, c'est Nadège, c'est Coco qui est au milieu, c'est Coco la diablesse. Donc quand j'entends la sœur de la nièce, c'est la tante de Coco, dit que c'est Flore qui est ceci, c'est Flore. Non, madame, non, c'est votre sœur Coco, c'est votre sœur Coco qui est la sorcière de ça, parce qu'elle est au milieu de tout ça. Vous comprenez un peu? Oui, elle est au milieu de tout ça. Ça dit, elle vient ici, elle prend là-bas, elle donne là-bas, elle prend ici, elle donne là-bas. Et après, vous cognez les têtes. Flore est sortie, je suis sûre que si Flore savait, elle ne savait pas du tout qu'elle avait été enregistrée et qu'on avait remis ça à Nadège. Elle ne l'aurait pas fait. Ça dit, Coco la monte pour montrer que plus vous croyez que Flore sait où que Nadège est en train de parler d'elle. Flore sait où que Nadège est en train de préparer un coup pour la clasher. Flore sait où que Nadège est en train d'aller voir son ancien président pour vouloir soutenir pour tout ça et tout. Non, c'est Coco. Vous comprenez? C'est Coco la base de tout ça. Donc, madame la tante ou la quoi, conseillez à votre soeur, c'est la vampire. Cette fille, je sais pas ce qu'elle a. Elle a maintenant... Elle est jalouse aussi, en fait, parce que Flore est avec une autre fille. Quand vous dites que Flore vient s'exposer, non, Flore ne s'est pas exposée avec son côté sexuel. Vous comprenez un peu? Certes qu'elle vient sur la toile faire ses trucs et tout, mais elle le cache en direct, vous comprenez? Mais c'est Coco qui vient l'exposer. C'est Coco qui vient l'enregistrer et l'exposer. Vous n'allez pas dire que Flore a tort. Elle a tort sur quoi, madame? Quand les gens disent qu'il faut venir dénoncer les stars qui se font ceci sur Facebook alors qu'elles ont des vies, machin. Mais attendez. Mais si elle cache sa vie, elle cache ses déchets qu'elle fait derrière, elle vient présenter un autre visage. Vous venez maintenant l'exposer, vous allez l'accuser? Non, parlons vrai. Vous allez l'accuser, madame. Vous allez l'accuser comment? Je vais dire, prenez l'exemple sur vous. Vous êtes assise là, vous êtes venue en train de nous faire un direct, vous nous montrez votre beau visage. Et par derrière, vous avez vos squelettes dans les placards. Et quelqu'un vient prendre les squelettes pour venir vous exposer. Mais attendez, c'est de votre faute? Est-ce que c'est de votre faute? Ouais, donc, quand les gens disent que Flore, elle vient, il faut exposer ces gens-là. Il faut exposer ces gens-là. Il faut faire partie de la toile. Flore n'est jamais venue un jour montrer là où elle est en train de vendre son piment. Elle n'est jamais venue un jour où montrer qu'elle est en train de faire l'amour avec une femme. Au contraire, elle n'accepte jamais qu'elle est de ce côté. Elle vient montrer plutôt une autre face. Donc, si vous venez prendre par derrière pour venir l'exposer, c'est vous le problème. C'est pas elle, c'est vous le problème.
Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, madame. Merci, maman. Merci pour ton intervention. Merci. Déconnecte-toi alors que quelqu'un d'autre... Hein? Ça se passe même comment? Je ne sais pas. Ton nom, c'est quoi? Ton nom qui s'affiche, c'est quoi? Pourquoi je te déconnecte? Ok, c'est bon. Il y a deux personnes encore là, je ne sais pas. Oui. Allô, la personne qui est Cop King, si c'est qui. La personne ne parle pas. Allô, Dorcas. Oui, attends. Allô, il y a une personne ici qui est silencieuse. Cop King, c'est qui? Je suis au travail, je peux parler rapidement, s'il te plaît. Ah, c'est toi, Cop King? Non, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est la première fois que j'ai appris. Parce qu'il était là, il ne dit rien. C'est bon, donc, maman, parle, mon cher. Vous me suivez? Oui, maman. Je vais vous parler pour deux minutes, je suis au boulot. Bon, ce que je voulais dire, je n'ai jamais vraiment... Ce problème, c'est du n'importe quoi. Il y a une dame qui vient de parler là et j'approuve vraiment ce qu'elle vient de dire. Ce que Flore vient montrer sur les réseaux sociaux, elle ne vient pas exposer sa vie privée. Je crois que la vie privée de chacun doit être sacrée. Et à ce que je ne sache, si Flore a commencé à faire des posts, c'est tout simplement parce que j'avais même suivi la reine Mère Bio, disait déjà, ils avaient déjà reçu ces audios dans leur inbox. Donc, raison pour laquelle, entre eux, les influenceuses, ils se parlaient déjà de ces audios. Et ils parlaient déjà, et les gens indexaient déjà Flore. Beaucoup déjà indexaient Flore. Donc, à ce que je ne sache, elle a fait les audios. Je peux parler, Dorcas. Ah, Dorcas. Moi, Florian, je peux. Pardon, je n'ai pas fini. J'ai mais une minute là, s'il te plaît, je suis au boulot. Comme je venais de dire, c'est parce que Flore était déjà, on était en train de faire le chantage à Flore, inbox. Ça veut dire que Nadège avait déjà partagé ses audios à ses amis du côté de, parce que ça se disait déjà sur la toile. C'est pour ça qu'elle a fait des posts pour avertir Nadège. Et c'est parce que quand vous venez indexer les gens, je crois qu'elle a beaucoup supporté pour pouvoir me faire ses posters et faire la sortie. Ce n'est pas parce qu'on va salir les gens qu'on ne va plus peut-être... Chacun a sa vie et je crois que nous sommes des parents, on ne supporte pas ce genre de vie. Mais les gens doivent se respecter. Dans les gens condamnés ici, il y a Coco et puis Nadège. Puis c'est Nadège qui a partagé ça à ses amis pour qu'on commence à faire le chantage à Flore Inbox. C'est pour ça que Flore a fait des sorties, des postes pour avertir Nadège. Donc, je me demande si en France, ils n'ont pas le temps de travailler. Aller travailler en France, moi, je ne comprends pas. Tous les sales trucs, c'est toujours la France. C'est quoi ça? La diaspora française n'a rien fait? Allez travailler. Mais vous avez assez de temps comme ça? Chemin, quand on rentre le soir, on veut se divertir, peut-être on regarde un peu sur les réseaux sociaux, mais fermer même le Facebook, si on pouvait fermer même le Facebook France, là, ça devait même nous arranger. La diaspora, toute la diaspora, vous mélangez toute la diaspora. Non, c'est pas toute la diaspora, c'est la diaspora française, il faut dire la vérité. Vous avez beaucoup de temps. La solution, c'est qu'on les laisse faire les choses et on les dénonce au gouvernement. Non, là, je crois qu'on doit seulement fermer Facebook France parce que la diaspora française, c'est de la merde, c'est de n'importe quoi, c'est de la racaille. Et c'est eux qui vont venir chaque fois. Puis tous les problèmes, c'est la France. Vous avez assez de temps dans vos mains, hein? Vous n'avez pas de vie, il y a le travail. En Europe, c'est le travail. Mais vous passez tout votre temps à faire des bêtises. On parle de... Vous croyez que vous êtes les seuls à tirer les balles. Je crois qu'on fait nous la corruption en Italie, mais je ne suis jamais ce genre de choses parmi les Camerounais qui vivent en Italie. C'est toujours la France. Oui, ça va. Quand même.
Dorcas, il faut me déconnecter, s'il te plaît. Ok, c'est Clotilde, Ida. Non, c'est Florian qui va parler. Appuie-moi sur le travail, s'il te plaît. Allô, allô? Dorcas. Dorcas, bonjour, ma soeur. Je déconnecte qui? Je déconnecte Florian. Non, moi, je viens d'arriver. Non, déconnecte Clotilde, s'il te plaît. Clotilde, ok. Ouais. Dorcas. Oui, ma chérie. Je ne sais pas là où tu es. C'est bonjour, c'est bonsoir, mamie. Bon, maman, il est peut-être 1h le matin. À 1h, à 2h. Voilà, donc tu vas encaisser de m'écouter. Voilà, tu vas encaisser de m'écouter, d'accord? Oui, mais on va parler en tant que grande personne. On va dire, nous sommes les grandes dames. Mais à la base, je vais être franc avec toi. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas, Dorcas. Pourquoi? Je suis activiste. Il faut que tu m'écoutes, ne te fâche pas. Je suis activiste. Voilà, Mamisa. Ne te fâche pas. Je ne t'aime pas. Pourquoi? Quand tu es arrivé sur Facebook, tu te construis en voulant entrer dans la base pour constituer le combat. J'ai compris que tu cherchais la notoriété parce que tu ne connaissais pas l'ampleur de notre combat. Du changement, du châtiment de Bia. Tu es quitté. Tu t'es focalisé maintenant sur les blogueuses camerounaises qui sont Flore, Compressor, les Nandèges, Papa. C'est une parenthèse. C'est pour dire que j'entre dans ton direct. En même temps, je dis ce que je pense de toi. Donc, ça veut dire qu'à la base, je n'aime pas ton blog. Maintenant, je vais parler de Flore. Les abeilles. Depuis 2014, vous avez soulevé une femme qui est Flore de Lille. Nous sommes tous des Camerounais, nous savons comment Flore de Lille est arrivée sur la toile. Dans ce dérapage, on l'a soutenue. Vous n'allez pas me dire que Flore de Lille est naïve de tout ce qui arrive dans sa vie. Nous sommes les gens qui travaillons avec les opérateurs ici en France. Flo n'a pas eu quel soutien, quel conseil en tant qu'une femme qui peut être soulevée aujourd'hui pour qu'elle fasse marche arrière. Pardon, vous les abeilles, apprenez à être franc avec votre reine-mère. Vous voulez dire que c'est Coco qui détruit Flo de Lille? Mais vous êtes sérieux là? Flo de Lille n'a pas vu son parcours 10 ans. En tant que blogueuse, elle a l'expérience de réfléchir. Elle est bamilékée. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous passez le temps à toujours cacher la vérité à votre reine, mais qu'est-ce que vous faites là? Au lieu de compter votre reine, mais pour qu'elle soit soulevée jusqu'au ciel, depuis qu'elle est au ciel, elle a cru qu'elle ne pouvait pas tomber parce que vous avez passé le temps à la porter. Vous avez cotisé pour elle. Elle est devenue handicap. Elle est devenue médiocre à cause de vous. Aujourd'hui, ce qui arrive dans sa vie, c'est vous les abeilles. Qu'est-ce que vous parlez là? Hein? Vous venez juste à couvrir votre reine, mais c'est un enfant. C'est un enfant, quelqu'un qui a passé le temps à nous donner le sourire. De retour, nous l'avons donné de l'amour. Aucune personne dans la diaspora n'a pas eu l'amour comme Flore de Lille. Hein? Vous croyez que c'est la même personne qui doit recevoir l'amour dans la diaspora? Hein? Vous les abeilles là, je crois que vous avez un problème. Hein? Allez vous soigner au village, allez voir vos ancêtres. Vous n'avancez pas. Allez faire le lavage pour enlever la poisse de la destruction que vous avez fait dans la vie des gens. Mais les Flore de Lille, un enfant, elle est naïve. Coco et Flore de Lille, c'est Flore de Lille la manipulatrice. Elle doit prendre le temps. Avant de venir lancer un direct, elle a toujours, avant de lancer un direct, elle doit analyser les choses. Elle a 10 ans de l'expérience en tant que blogueuse pour se mettre dans quelque chose. On vient la chercher. Pour après, oui, pourquoi vous venez vous mettre partout dans les directs pour défendre un être humain qui a été soutenu, qui a été porté? Vous les appelez, vous prenez pour qui là? Allez vous soigner dans vos villages. Voilà pourquoi le Cameroun n'avance pas. Bienvenue Bondo est le médiocre avec tous ses enfants. Au revoir. Oui, je m'excuse Dorcas. Je m'excuse de cette partie-là. Merde, c'est quoi avec vous? Oui, allô? C'est quoi? Je n'ai pas fini. J'ai fini avec les abeilles là. Vous vous rendez compte? Vous avez cotisé 200 000 euros pour qu'elle devienne quelqu'un. Elle a fait quoi? Vous avez acheté la voiture. Elle a fait quoi? Vous avez cotisé de l'argent pour qu'elle mange. Venez doucement avec moi. Pontopé, les microbes comme ça là. Les abeilles soi-disant que Flore de Lille est naïve.
Vous connaissez la naïveté d'un être humain, 10 ans de l'expérience, en tant que blogueur, n'importe quoi. Allez vous soigner. Et quand vous allez vous laver, vous allez aider votre reine à être une femme respectable et valeureuse. Bisous. Allô? Oh, merci pour ton intervention, Floral. Allô? Oui, mamie, coupe, mamie, coupe-moi. D'accord. Allô? Oui, ma chérie, vas-y, on t'écoute. Bonjour, Lucas. Bonjour, mon père. Comment tu vas? Ça va très bien. Ma soeur, excuse-moi de prendre la parole ce matin. Est-ce que tu peux parler un peu? Oui. Excusez-moi de prendre la parole ce matin. J'ai une autre vision de cette affaire. Quand vous regardez bien sur la toile, tout ce qui se passe en ce moment, je ne peux pas dire que Flore est naïve, mais elle est naïve et elle est victime en même temps. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que quelqu'un est sous une pression. Elle a été sous la pression et je pense que c'est cette pression qui lui a fait sortir des peaux. Mais le véritable problème n'est même pas au niveau de Nanège Papa, ni de Flore, ni de Coco Poitou. C'est la suite de la demande de 10 000 euros de Flore, de 11 000 euros de Flore qui se positionne là sur la toile. Quand vous regardez très bien, Coco Poitou n'a pas enregistré et envoyé à Nanège Papa. On les a mis toutes sur écoute. Via Nadège Mbappa. Quand il dit via Nadège Mbappa, c'est parce que quand je ne vais pas dans la page de Nadège Mbappa, il n'y a pas de cela 4 mois. Mon frère, qui les a mis sur écoute, tu peux nous dire. J'en reviens. Dans mon déroulement, j'ai d'abord positionné la discussion en disant que c'est la continuité de la demande de 11 000 euros de Flore. Voilà là où je positionne le débat. Justement parce que Nadège Mbappa a dit dans un direct en avril, En clashant M. Messan, que M. Messan clash les gens alors qu'il n'est rien, il dit qu'il est banquier alors qu'il n'est rien. Voilà son cousin qui vient de l'appeler au Cameroun pour lui dire que le président et l'expert de Fleur de Lille lui a envoyé 500 euros. Nous sommes d'accord. Il y a ça sur la part de Nadège Mbappa et que c'est lui qu'il faut respecter dans la diaspora parce qu'il vient de faire un geste au Cameroun à son cousin. Je pense que. Quand Flore de Lille a demandé son argent et la manière dont elle a demandé cet argent, c'est ça qu'elle est en train de payer sur la toile. Si vous allez regarder très bien, la maman de Bogos a soutenu Flore dans cette histoire. À haute et intelligible voix. Tout en sachant qu'elle a marché avec des gens en même temps qui côtoyaient cette présidence qui est Sandra Petit-Model. Et qu'en ce moment où Flore demandait son argent, Sandra Petit-Model était en accord parfait avec la présidente. Donc, quand vous constatez très bien ce qui se passe sur la toile, ça veut dire que l'expert de Flore de Lille a mis une machine en place parce que ce soit Ducamer qui soutient le président de Flore de Lille, que ce soit la reine Mère Bio qui a été recrutée parce qu'on nous a dit que la reine Mère Bio a fait son rapprochement à la présidence pour une danse en Angleterre. Je pense que... Oui. Je pense que c'est archi faux. Si vous regardez très bien Pacifia Mel, Lamin Tali Babalé et comment il s'appelle, Ducamer, ils sont dans la même logique. Quand l'autre sort les divorces, d'autres relèvent sur sa page. Et je vais vous dire que ce n'est pas une histoire de Nadège Mbappa, Coco Poitou et Flore de Lille. C'est un règlement de compte. Que vous voulez ou pas, je vais vous dire, le téléphone piégé qui a été donné à Coco Poitou, ce qu'elle dit, soit Coco Poitou est dans la... le trio pour détruire Flore, soit, donc ce qui veut dire qu'on est passé par elle pour détruire Flore, mais c'est un règlement de compte qui se joue sur la toile. Et quand tu regardes très bien, tout le monde sur la toile se relaie contre Flore de Lille. Ce n'est pas parce que Flore de Lille est imbattable, parce qu'ils ont constaté que face à Flore de Lille, une seule personne ne peut pas s'en sortir. Donc ils se sont réunis là sur la toile pour l'effacer de la toile. Elle a ses défauts. Je ne la soutiens pas parce que quand tu as déjà été mordu une fois, tu ne peux pas. Quand tu passes sur ce chemin, tu dois avoir peur. Quand elle a eu ses problèmes avec Coco Poitou, elle devait s'arranger à éradiquer cette personne de sa vie. Mais elle ne l'a pas fait.
je ne sais pas pourquoi, ça la regarde à elle, mais c'est le pauvre cassé qu'elle est en train de payer. Je vous rassure que ces femmes ont été mises sur écoute. Parce que quand tu vas chez Wakatolo, quand tu écoutes le déroulement des divorces, c'est un truc bien classé pour les femmes. Nadège Mbappa n'a pas la hauteur, la capacité de programmer ses divorces tellement qu'elle est en train de programmer. Et en plus, Coco Poitou ne peut pas envoyer ses divorces. Ils ont piraté ce téléphone. Soit elle est dans le coup, soit on leur a piraté le téléphone. Mais le trio de ça, c'est Nadège Mbappa, puisque Nadège Mbappa a dit dans les inbox qu'elle devait clasher Flore pour venger Amot. Vous allez bien comprendre le scénario. Il ne faut pas aller chercher le midi à 14h. Tout ce qui se passe sur la toile là, c'est un règlement de compte de la manière dont Flore de Lille a réclamé ses 11 000 euros. Que vous le vouliez ou pas, il faut bien réfléchir très loin. Puisque Nadège Mbappa a sorti un prétexte en disant comme quoi Flore de Lille était allée accompagner... comment on l'appelle, la poche Cayenne au tribunal, c'est pour ça qu'elle veut la clasher. Je vous dis non. Et j'en reviens en plus. Fleur de Lis ne peut pas marcher à s'entendre avec Yvette Gormatip. Et dans le vote, on entend Coco Poitou, Yvette Gormatip, Nadège Mbappa, Lolo et Compressor. Il y a quelque chose qui se passe là en dessous. Il y a des gens qui jouent la sous-marine et les protagonistes sont sur la toile. Et si vous voyez très bien, le nom de Compressor a apparu. C'est les anciens vos. Mais les mêmes gens ont tout ça pour étouffer la continuité du débat qui était centré sur Flore, sur Compressor. Même bien comme c'était les anciens vos, ils ont tout fait pour éteindre ça. Voilà déjà un signe. Le problème est revenu sur la maman de Bogos qui a été contactée sur Internet par une amie, comme vous l'écoutez dit, et qui, dans ses déclarations, elle ressort une histoire de Sandra Petit Modèle. Tout en disant que c'est la maman de Bogos qui lui a envoyé ça. Mais on n'est pas bête. Même jusque-là, les mêmes protagonistes qui relèvent les informations. Vraiment parler, mon frère. Oui, les vrais protagonistes qui relèvent les informations concernant Flore, depuis hier nuit, sont en train de tout faire pour étouffer le problème qui n'est même pas vrai de la maman de Bogos, qui est aussi victime parce qu'elle a soutenu Flore à haute intelligence, voire ayant marché avec les gens de la présidence. Il faut qu'on soit honnête. Dans cette histoire, il y a quelqu'un en sous-marin et vous savez le mode opératoire de Feynman. Le mode opératoire de Feynman, c'est d'espionner quelqu'un. Et c'est ce qui se passe. Et c'est ce qui se passe. Vous allez tout faire là. Nadège Mbappa n'a vraiment aucun problème avec Flore pour pouvoir dire dans les inbox que je dois clasher Flore pour soutenir Amot. Il faut qu'on soit clair. Et puis Nadège Mbappa est descendu, comment elle s'appelle? Nathalie Babalet est venue ici en Europe, en France, pour le concert de Lady Ponce. Ils étaient au salon chez Yvette Gormatip, qui est censé faire être dans les votes de Nadège Mbappa, Coco Poitou et Lolo. Donc, ils étaient tous déjà au courant, ils avaient déjà des informations, parce que quand la reine Mère Dieu est rentrée en Angleterre, elle a commencé à dire qu'on va détruire les pimentières. Sinon, on n'avait pas encore commencé les posters. Elle a suivi le chantage inbox, elle en avait un ras-le-bol. Mais ça va lui servir de leçon. Parce qu'elle devait s'écarter de Coco Poitou, parce que l'agent, c'est le diable. Le téléphone qu'on a donné à Coco Poitou, qu'elle dit que ça a été piégé. Peut-être qu'on lui a donné cette explication pour pouvoir se défendre auprès de Flore. Parce que c'est un crime, ce qui est en train de se passer. Elle a voulu se défendre en disant que ma soeur ou ma copine ou mon compagnon, regarde, on a piraté mon téléphone. Soit elle est dans le coup et elle utilise ça pour se blanchir devant Flore, soit... l'aspect de Flore. Parce que l'aspect de Flore est le commanditaire de tout ce qui se passe sur la toile, tout simplement parce que quand Nadège Mbappa déclenche en disant qu'elle va le venger, Nadège Mbappa dit qu'il est le seul président sur la toile parce qu'il a donné 500 euros à son cousin. Vous ne pouvez pas me dire que une campagne de Ça veut dire que la haute mafia, ce que tu nous expliques là, c'est vrai. Oui, c'est au-dessus de ce que nous croyons. Alors, allô, oui, ma chérie, vas-y. Donc, monsieur nous a vraiment décortiqué, hein. C'est comme si l'affaire c'était la haute mafia, c'est au-delà de ce que nous on imagine même. Allô, bonjour, moi je vais intervenir. Oui, ma chérie, vas-y. Alors, ce que moi je viens ici dire, c'est que moi je suis un peu fort, maman, on t'écoute pas. Je veux juste passer un message et surtout à ma soeur Coco. Ok. Tout ce que je demande, si Coco est dans le live, qu'elle m'écoute.
Pardon, Coco. Quitte dans elle le monde. Là. Quitte dans le monde, là, ma soeur. Quitte dans ça. Quitte dans ça. Parce qu'une femme Bamoun, c'est une femme digne. Une femme qui se respecte. Ça ne te ressemble pas, Coco, ma soeur. Ça ne te ressemble pas. Est-ce que vous pensez même à vos enfants quand vous faites ça? Moi, je m'adresse à toutes les femmes qui sont dans des conneries. Là, vous pensez même à vos enfants. Les archives restent. Les archives restent. Est-ce que c'est normal que ton enfant entre sur Facebook et voit l'image de sa mère comme ça? Vous pensez à ce que les enfants là ressentent quand ils entrent dans Facebook, ils trouvent les choses comme ça? Vous pensez à ce que les... Est-ce que vous pensez à ces enfants-là? Vous pensez à nos enfants qui sont sur Facebook? À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries là. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui viennent dire que oh, les femmes, toutes les femmes sont lesbiennes de nos jours. Arrêtez ça. Toutes les femmes ne sont pas lesbiennes. Si vous faites votre saleté là, gardez ça pour vous. Peut-être en Europe là-bas, c'est bien, mais s'il vous plaît, gardez un peu. Pensez à nos enfants. Pensez aux enfants que nous accouchons. C'est vraiment trop sale. Merci, oh, ma soeur. C'est Vanessa. C'est Charity qui parlait tout à l'heure. Oui. D'accord. Merci Charity pour ta brillante intervention. Bonjour maman. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Ça va, c'est Vanessa maman. Maman, oh, oui. Toi tu es venue pour que les gens arrête toute cette saleté. Les gens sont là pour donner des explications, pour justifier, pour encourager. Finalement, pourquoi tu as fait le direct, maman? Tu es là pour tout, pour vouloir laver un peu l'honneur du Cameroun. Des gens, on est sous la toile, les gens ont les vies sales. Je ne sais même pas comment je vais appeler ça, ma mère. C'est tellement dégoûtant ce qu'on entend. On ne juge pas, on ne juge pas, on n'est personne pour juger. Mais je pense que le monde finit par nous, les Africains, encore nous qui sont nés en Afrique. C'est un truc que c'est pas difficile, 10 ans qu'on va l'accepter. À ça, c'est pas difficile. C'est ce que tu demandes à tes soeurs. Salut, donc, arrête de nous accuser de nos enfants. Ça... Attends, il y a une personne qui a pris la parole. Non, parce que je suis au boulot, je voulais 2 minutes. Mais Ducamé parle. Attends un peu, 1 minute. Ducamé donne, il est au travail. Oui, j'ai suivi le type qui a parlé là. Soyez réaliste sur la toile. Sur la toile, il y a ce qu'on appelle le djangui. Quand les gens bouffent la tontine, ne venez pas nous expliquer que c'est les Koubas. Comprenez? Parce que les mêmes gens que vous citez là, ils gèrent les problèmes des autres. Ils sont dans les problèmes de tous les êtres, les autres. On parle ici des gens qui ont l'habitude de faire bouffer le djangui aux gens. Est-ce que vous comprenez ça? Que les gens dont on vous parle là font bouffer le djangui, les gens, ils sont dans les problèmes des autres personnes. Chacun à son tour. Quand tu bouffes le djangui, ça, on ne couvre aucun djangui sur Facebook, c'est méta. Il n'y a pas les stratégies, les machins. Est-ce qu'il y a problème ou pas? Les gens là n'ont pas traité les gens de putes. Ils sont partis dans l'histoire de Shakiro ici, ils n'ont pas parlé de ça. Quelqu'un me parle de la matinée de beaux gosses et tout ça. Elle ne traite pas les djangui des gens. La matière de bébé ne traite pas les histoires des gens. Quand ça arrive sur les autres, non, c'est le coup monté. Vous parlez, vous racontez quoi? Donc, chacun bouffe la tontine. Et quand c'est le tour de chacun, il n'y a rien. Tout le monde bouffe. Et celui qui veut garder sa vie privée ne vient pas sur Meta. C'est ce qu'on a vous dit. Tous les gens que vous avez cités là, ils ne gèrent pas les problèmes des gens. Ils n'ont pas géré l'histoire de Shakiro. Ils n'ont pas traité les autres de lesbiennes. La femme de ténor n'a pas été traitée par les mêmes gens de lesbiennes. Donc, on expose les autres et on veut vous les cacher pour les gens. Vous êtes malade. C'est Meta. Tu viens sur Meta, tu es star. Comme toi-même, tu es là, tu sais que si t'as pas sort, ça va sortir. Tu es conscient ou pas? Voilà, donc foutez-nous le camp avec vos histoires. Vous voulez couvrir tous vos amis et exposer les autres. Voilà, donc j'emmerde tous ceux qui veulent cacher pour les autres. Même moi-même, ma pas sort, j'assume. Je vous pisse dessus tous. Meta, il n'y a pas de vie privée. Ou bien on n'est pas star. Au revoir. Bon, comme je disais, ma mère, c'est ce que tu as en train d'interpeller. Donc, maman, n'accepte pas que les gens viennent donner des justifications. Oh, Flo est naïf. Oh, Coco. Non. On demande de garder ça privé. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie. Mais du moment que ça vient sur les réseaux sociaux, ça interpelle nos enfants. On parle de notre jeunesse, notre Cameroun de demain. Faites des efforts, s'il vous plaît.
Gardez vos vies sexuelles privées. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de vos corps. Chacun est libre de ce côté-là. Mais il faut le garder privé. Privé. Quand c'est venu se retrouver sur la toile, chacun n'avait qu'à sortir, à dire même que c'est faux. Pas de venir expliquer, montrer les preuves, vouloir trahir l'autre. Non, maman. Il ne faut pas accepter que les gens viennent s'expliquer par rapport à ça. Non, maman. Il faut dire, toi, tu demandes que ça cesse. Parce que ça salue tous les Camerounais, pas seulement un Camerounais. Oui. Depuis, j'ai entendu, tu as dit là que ça fait presque 8 heures de temps que tu es debout. Au lieu qu'on prône la paix, les gens veulent enflammer les choses. Qu'est-ce qui va sortir qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce qui va sortir qu'on n'a jamais vu, qu'on ne connaît pas que ça se passe dehors? Si deux sexes de même peut se coucher, qu'est-ce qui est encore surprenant? Et c'est comme si après avoir même fait même 8 heures, il n'y a pas de solution. Hein, parce que, oui, c'est ça que moi j'ai appelé. Les gens ne veulent même pas. Les gens veulent souvent que ça sorte. Oui. Oui. Comme s'il y avait un truc de bon à entendre. On entend, on rit, on se moque, mais ça salue le Cameroun, ça salue pas une personne. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Ça nous salue, nous tous. Vous entendez comment les hommes viennent là, disent que ça n'encourage plus à les femmes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous vous en foutez. Vous vous en foutez, c'est pas vous la jeunesse de demain. Nous, on a raté nos vies, donc vous voulez que la jeunesse en souffre. Pourquoi? Pourquoi? Merci, ma chérie. Allô? Oui. Allô? Ah non, c'est pas, non, moi, je n'ai pas encore parlé. Non, je n'ai pas encore parlé. Ah, qui parlait tout à l'heure, c'est Eko? Non, maman, c'est Vanessa. Oh, c'est Vanessa qui parlait. Ok. Bonjour, madame. Bonjour. C'est Vanessa qui parlait tout à l'heure. Oui, maman. Ok. Merci beaucoup pour ton intervention, ma chérie. Bonjour, madame. Oui, bonjour, ma chérie. Oui, je m'excuse d'abord du fait de m'introduire. Je précise d'abord que je ne suis pas camerounaise, mais je suis africaine et oui. Je suis presque tout le blog camerounais, en fait tout le blog, je suis tout le monde un peu. Et je vous remercie déjà de me donner la parole et je remercie tous les intervenants. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que déjà j'ai entendu quelqu'un parler de complot. Ce n'est pas un complot. Ce n'est pas un complot du tout. Parce que quand on met les gens sur écoute, ce n'est pas comme ça que ça fait. J'en sais quelque chose parce que j'ai quelqu'un qui travaille dans le domaine. Ce n'est pas comme ça que les choses se présentent. Ils n'ont pas été mis sur écoute. Il y a eu des enregistrements. Ça, c'est déjà, il faut le préciser. Deuxièmement, vous dites que vous êtes venu pour apaiser les choses. Ma chérie, mon père m'a toujours dit, quand on veut apaiser, on ne fait pas intervenir les gens. Parce que chacun va tirer la couverture de son côté. Chacun veut avoir raison. Chacun veut avoir ceci. Donc du coup, il n'y aura jamais d'apaisement à ce niveau-là. Vous voyez, les clans, enfin, chaque clan veut donner raison à sa personne. Alors que là, il n'y a pas de raison à donner, sincèrement. Nous sommes des femmes. Moi, j'ai honte même. Quand j'écoute ces choses-là, j'ai très honte. J'ai honte. Je ne sais pas pour qui les Blancs nous prennent, en fait. Excusez-moi du terme. Ce n'est pas raciste, ce que je dis. C'est tout simplement déjà qu'on nous stigmatise. On nous stigmatise déjà. Et quand ce genre de choses arrivent pour les mères, j'ai entendu une fille qui pleurait, qui exhortait quelqu'un. Non, j'ai coulé les larmes et je ne comprends pas. Moi, en tant que mère de famille, je sors de Facebook. Pourquoi? En fait, moi, j'ai constaté que madame, vous ne pouvez pas apaiser parce que c'est la starmania. Chacun veut de l'argent. Il faut avoir des vues. Non, mais c'est fait exprès parce qu'on va me regarder, j'aurai de l'argent. Du moment où il y a l'argent derrière, ma chérie, vous n'allez jamais réussir. Moi, c'est ce que je vois. Parce qu'il n'y a aucune raison que ce genre de choses viennent sur Facebook. Facebook, que tout le monde regarde. Et les amis de nos enfants, tout le monde, mais c'est sale. Je vous dis, moi, je ne suis pas blogueuse. Je ne suis pas camerounaise. Je suis voisine au Cameroun. Mais ça me fait trop mal. Oui, je suis gabonaise.
J'ai honte, en fait, de mes soeurs, en fait, de moi-même, en fait. Et parfois, quand mon mari, on parle ici, à un moment, on a même des problèmes parce que je lui dis, il ne faut pas parler comme ça. Parce qu'en fait, ça fait honte en un mot. Ça fait très honte. Donc, vous ne pouvez pas apaiser du moment où il y a la patte du gain derrière. Tout ce monde-là, c'est l'argent. Il faut des vues. Et Facebook va payer. C'est tout ça là qui fait ça. Mais est-ce qu'on pense... Il faut alors faire ça au prix d'exposer la vie des gens. Exactement, c'est ça. C'est ça. Et là, ça demande du discernement. Avant, vous savez, on sacrifiait nos parents pour être riches. On sacrifiait nos vies. Enfin, par exemple, un pied, un œil et tout. On pratiquait pour être riche. Mais aujourd'hui, comme Facebook a amené le système de monétisation, on sacrifie sa dignité. On sacrifie la seule chose qui nous reste, la dignité. Et c'est dommage. Mais vraiment, essayez. Je ne pense pas que ça va marcher parce que c'est l'argent qui est derrière. Donc, je vous souhaite bon courage et je demande à mes soeurs d'arrêter ça. C'est sale. C'est très sale. Dorcas, je suis encore revenue dans ton live. Pardon, je vais parler pour une minute. Dorcas, déconnectez-moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment ça se passe. Dorcas, je vais parler pour une minute. Il faut dire, franchement, je suis désolée. Ce Ducamer qui est en train de faire du sale boulot, il ne fait pas ça à l'avantage des Camerounais. C'est pas comme ça qu'on cherche l'argent. Il est en train de salir les femmes. Parce que j'ai vu sur sa page hier avec le problème de la mère de Bogos. C'est vraiment trop sale. Inviter une dame pareille pour venir saluer une femme, franchement, je suis déçue. C'est le diable en personne, ce Ducamer. Et je suis vraiment trop fâchée contre lui. Nous les suivons sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit gérer les choses. Ce n'est pas de cette manière qu'on doit venir exposer les Camerounais. C'est vraiment trop sale ce que Ducamer est en train de faire. Et vous devrez le conseiller, vous qui êtes ensemble sur les réseaux sociaux. Il est en train de faire du sale boulot, du très sale boulot, en disant qu'il veut... Il ne sera même pas en faisant ça qu'il sera le premier sur les réseaux sociaux. On va plus le détester. Tu m'as donné l'argent. Tu racontes des salades. Sale boulot. Tu exposes la vie des Camerounais. On expose parce que c'est ta soeur, tu veux la soutenir. On vient sur ta page parler de n'importe quoi. Tu comprends? Elle est qui me tue. Tu as compris, hein? Donc, elle est qui me tue. Elle n'est pas venue exposer sa vie. Non. Quand c'est les autres, ça t'arrange. Quand les autres, ça t'arrange, non? Quand c'est les autres, ça t'arrange. Il n'y a pas de... Ça m'arrange, quoi. Et il n'y a pas de parti pris sur Meta. Sur Meta, tout le monde planche. Tu seras le plus détesté de la toile. Il faut que je te dise. J'ai besoin d'amour des gens. La rose... Mais tu dois aller te cacher. Arrêtez votre manipulation. Tu fais quoi dans la chute? Clotilde Dada. Clotilde Dada, moi aussi, je suis au travail. Je suis sorti dans le feu. Je suis au travail. Arrêtez avec ça. Quand c'est les gens, ça t'arrange. Vous, les blogueuses. Pourquoi tu regardes? Les gens font. Merci. Et les femmes peuvent m'insulter, tu laisses. Quand elles m'insultent, tu laisses. Tu as laissé l'enquête. Laisse-moi parler, s'il te plaît, je vais retourner. Non, Dorcas, quand tu es dans l'histoire, il ne faut pas permettre la manipulation. C'est pourquoi j'ai dit que je gère l'histoire là seule. Bien. Quand elle m'insulte, tu as laissé, tu ne l'as pas dit de ne pas m'insulter. Hein. Les gens sont venus m'insulter. Non, tu ne choisis pas les injures. Précise qu'on ne m'insulte pas. Parce que moi aussi, je peux prendre les gens là et t'insulte. Et je ne peux pas accepter qu'on t'insulte. Soit tu modères bien. Peut-être tu penses que tu es en train de faire un petit truc. Hein. Les gens viennent ici régler les comptes. Hein. Sache-le, ils ne viennent pas pour la justice. Ils viennent régler leurs comptes. Ma page est ouverte à tout le monde et tout le monde a le droit de parler. D'accord? Tout le monde peut me framponner.
Donc, tu as des gérants, tu saches que c'est le règlement des comptes. Et si tu favorises les autres, j'ai vu comment toi-même tu parlais de Coco. Est-ce que tu as entendu Coco pour la condamner? Tu l'as condamné. Tu n'es pas juste. Tu as écouté Coco avant de la condamner? Coco est manipulé par ces gens, c'est ferme d'elle. Hein? Non, pas sa tante. Tu as été ferme. Tu as été ferme. La manipulation. Elle m'a dit que Coco va intervenir. Non, mais quand tu l'as pas écouté, tu l'as condamné. Tous ces gens se servent de Coco. Si je ne peux pas parler, moi, je vais retourner à mon boulot. Voilà, il ne faut pas accepter la manipulation. En France, on ne travaille pas. Il y en a qui travaillent en France. Il y a toi, le chef d'accusation. Mais toi, tu l'as condamné. Tu l'as condamné tout à l'heure. Tu l'as condamné alors que tu ne l'as pas écouté. Tout le monde profite des voix de Coco et des vidéos de Coco. On se sert de tous ces gens. Nadège Bappa raconte quoi? Quand Coco lui envoie ça, pourquoi elle ne dit, elle ne fait pas la morale à Coco que moi, je ne veux pas ça? Si on t'a, j'ai vu la nudité de la mère des bons gosses. Est-ce que j'ai refusé de la prendre? D'accord? J'ai vu sa nudité qu'elle envoie à cette dame. Est-ce que j'ai pris ça? J'ai refusé. Faut arrêter. On publie tout. Elle vient accuser Coco que oui, Coco, elle a un enfant. Maintenant, qu'est-ce qu'elle va raconter aux gens? Quand elle demande la nudité, les voix disent non, je ne veux pas de Flore. Non, mais elle prend aussi, hein? elle prend aussi pour garder, pour avoir les balles. Bon, elle prend pour garder, mais qu'elle assume qu'elle est du genre. Il ne faut pas dire que je n'ai rien fait. Voilà, il faut qu'elle assume qu'elle est du genre à garder les balles sur les gens. De toute manière, je vous laisse. Allô? Non, pardon, attendez, parlez d'abord. Pardon, parce que moi, je n'ai pas encore parlé. Je suis au travail. On a dit là tout à l'heure que... Tu as la parole. Mais allô, voilà. Vous travaillez à on a dit qu'en France, on ne travaille pas. Il y en a qui travaillent en France, s'il mais vous plaît. Mais allez, donc vous concentrez au travail, non? Vous venez travailler en même temps, vous pleurez, donc faites le Congo, ça. Toi-même, tu es là, tu fais quoi? Je vais regardez. Travailler pardon, chère, je ne suis pas venue me chamailler. Laisse-moi dire ce qu'elle veut dire, pas, pardon. Je ne suis pas venue me chamailler. C'est mon temps libre. Après, je vais aller au travail. Donc, je fais d'abord le congo. Oui, ça, donc, moi, je peux me permettre de faire une pause de café pour parler. On ne poursuit pas deux lions à la fois. Donc, je dis que je peux me permettre de faire une pause de café et travailler. Je peux me permettre. Je ne suis pas venu me chamailler, s'il te plaît. Mais donc, on n'est pas la question quand on parle, alors. C'est tout. Non, je suis là avant toi. Tu ne peux pas arriver. Tu vas lâcher la parole, s'il te plaît. Mais tu étouffes du camé et la dame qui était là tout à l'heure. C'est ça le problème. Je ne l'étouffe pas. Non, la dame, je le lui ai dit parce qu'elle a dit qu'en France, on ne travaille pas. C'est pour ça que je le lui ai dit. Quand tu ne connais pas les choses, tu arrives, tu ne viens pas agresser les gens. Non, j'ai écouté depuis. Si tu es au travail, va travailler. Parce que là, on a le temps. La dame, même tout à l'heure, elle a dit que. La dame, même quand elle est venue tout à l'heure, elle a dit qu'on lui donne une minute, elle est au travail. D'accord? Pourquoi tu n'es pas sorti pour lui dire ça? Alors, maintenant, tu es en train de faire le congo, ça, ou tu es en train de discuter, ou tu es en train de boire. Ça te regarde. Tu as la parole, Rose. Merci. Bonjour Dorcas. Ce que moi je voulais dire, Dorcas, il paraît que tu as fait ton direct pour dire que tu veux apaiser, ce qui est déjà très bien. Mais quand tu veux apaiser, maman, la meilleure façon d'apaiser, c'est de ne pas prendre personne en ligne. De ne pas ouvrir la ligne aux gens pour que les gens viennent se justifier. Parce que là-bas, chacun va tirer la couverture de son côté. Tout le monde a ses supporters. Bien marché. Maintenant, là, c'est les anonymes. Ah, voilà. Les protagonistes. Parce que j'ai eu Lolo, j'ai eu Wakatolo qui est intervenu dans le live. Tout le monde a son côté. L'autre, chacun va venir dire que c'est l'autre qui a raison. Chacun va venir dire que c'est l'autre. Chacun va venir dire que c'est l'autre qui a raison. Lola s'est très bien passé parce que Lolo a dit que Wakatolo est promis que Wakatolo va arrêter à une condition qu'il n'y a pas les attaques de l'autre camp. Oui. Si l'autre camp aussi sort, eux-mêmes vont sortir pour une commande. Mais elle a promis, Wakatolo aussi a promis. Vous avez eu le COVID? Voilà. Donc, ça veut dire que tu as eu gain de cause. Maintenant, parce que les gens vous êtes là depuis, vous dites que wow, vous tirez la couverture d'un côté. Tous sont fautifs. Maintenant, tout ce que les gens parlent ici, là, Wakatolo, voilà. C'est-à-dire que tous sont fautifs. Tous sont fautifs. Parce que quand vous voulez dédouaner votre reine-mère du fait qu'elle n'est jamais venue exposer sa vie privée. Mais votre reine-mère aussi, en même temps, elle n'est pas venue. Le compromis, c'est le camp d'en face. Ça veut dire le camp de Flore et le camp de compresseur. Je ne sais pas s'ils sont décidés d'aller en guerre. Le problème, c'est que dans le cas. Que quoi? Que vous n'êtes pas en position de force. Parce que. Le camp Dorcas. Ils ont les armes contre. Donc, c'est mieux. Dorcas. Le problème, c'est quand la fille de Nadège est sortie pleurer. Quand la fille de Nadège est sortie pleurer, moi, j'ai fait un direct pour demander à Nadège d'arrêter. J'ai fait un direct où j'ai demandé à Nadège d'arrêter par rapport à sa fille, de respecter sa famille. Mais en même temps, en même temps, si on continue, si elle arrête et les autres continuent à vouloir la salir, elle va utiliser ce qu'elle a en possession aussi pour se défendre. C'est ce qui est sûr, c'est ça. À ceux d'en face, qu'ils sont en position de faire.
Donc, s'il faut arrêter, tout le monde arrête de tous les côtés. Il n'y a pas de King Kong sur la toile. Ce qu'on veut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas King Kong sur la toile. Nous demandons à... Il n'y a pas de King Kong sur la toile. Et la personne qui a commencé cette histoire, parce que vous venez justifier que oh, la pression, c'est aujourd'hui qu'elle est sur les réseaux sociaux. La pression de quoi? On ne règle pas les problèmes sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter. On a fait le Congo ça d'elle en inbox. Elle pouvait régler ça en inbox. Nous, on n'avait pas besoin de savoir. C'est elle qui a commencé avec les posts. Des posts qu'elle a fait en direct. À partir du moment où elle a fait en direct, vous qui la suivez, quand vous aimez quelqu'un, tu la vérité. Laisse-toi en paix. Elle ne te doit rien. Je ne vous laisse pas en paix. Va te faire foutre. Tu ne me donnes pas d'ordre. Tu coupes ton travail pour venir parler de Flore. Tu ne me donnes pas d'ordre. Tu ne me donnes pas d'ordre. Flore, c'est qui qu'on ne peut pas lui dire ce qu'on pense? Flore, c'est qui? Va te faire foutre, dis donc. Dis donc, vous avez toujours tiré la couverture d'un côté. Toujours, vous voulez tout tirer la couverture d'un côté. Je travaille si j'en vis. Dis donc, fiche la paix. Nadège va sortir si vous continuez à sortir. Si vous ne sortez plus, Nadège ne sortira pas. C'est qui est-ce que c'est ça? Va te faire foutre. N'importe quoi, Koflo, c'est ton ami. Moi, ce que je vais dire ici là, moi, ce que je vais dire ici là, Madame Dorcas, moi, ce que je vais dire ici là, Madame Dorcas, moi, ce que je vais dire ici, n'est-ce pas, c'est que le chantage ne sert à rien. Parce que quand quelqu'un te tient à bout du fil d'un chantage, tu ne peux pas vivre ta paix. Non, donc moi, c'est que je me calme si d'autres aussi ne m'insultent pas. Non, laissez-moi donc parler, madame. Non, laissez-moi parler. Parce que hein, ça devient que Flo ne pourra plus jamais ouvrir sa bouche. Wakatolo, de toute façon, c'est une ennemie depuis des décennies de Flo. Donc, même s'il y a un problème qui ne va pas concerner Nadège et que Flo va parler, Wakatolo va vouloir sortir pour faire le chantage à Flore. Donc moi, ce que je vais dire, c'est que Wakatologue verse tout, on en passe. C'est pas la fin du monde. Flore est pire que ça, madame. C'est que vous dites que elle a les balles. Elle a quoi? On n'a pas vu le sexe de Flore ici. On n'a pas vu les clashs ou compressions avec. C'était la guerre, la quatrième guerre mondiale. Oui. Quand vous dites que le chicken tue, c'est pire que son sexe qu'on a vu exposé ici dehors. C'est pire que le long bangala Jean qu'on a vu en train de tuer. Tout ça là. Hein. Tout c'est que tu sais quoi, mais les lesbiennes sont là. Il y a les gens, même dans le gouvernement que vous dites là-bas au pays, là, est-ce qu'ils ne sont pas double sim? C'est ça qui est quoi qu'on n'a pas, on n'a pas encore. Elle n'est pas venue s'exposer en le faisant. C'est les voix qu'on vient déposer. Donc, on s'en bat les steaks. Wakatologue, Lolo, on ne veut pas. On ne veut pas que tu arrêtes Wakatologue, expose, verse tout. Vas-y, que tu fais semblant de vivre Flore, mais tu n'aimes pas Flore. Non, j'aime Flore. Parce que vous voulez, ça c'est vouloir tenir Flore au chantage. Ça c'est vouloir tenir Flore au chantage. Elle va plus jamais vouloir ouvrir la bouche parce qu'on va dire qu'on a une voix. Non, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Tu viens, tu fais semblant comme si tu es une pro. Non. Je dis que j'aime Flore. Et j'aimerais que elle verse tout. Tu veux savoir les noms des gens. Écoutez-moi bien, madame. Bonjour, madame Dorcas. Tout ce que Wakatologue a, hein, la reine mère bio a déjà ça. Celle qu'on appelle qui là, comment elle s'appelle? Patricia Mel, elle a déjà tout ça. Vous avez compris, non? Même Lolo Mel a tout ça. Donc demain, c'est pour venir intimider Flo avec. Alors on veut qu'elle verse tout. On en passe. On en a marre du chantage. Point barre. Et quant à toi, Ducamé, tu dis que les gens ne doivent pas venir sur Facebook parler parce qu'ils ont les cadavres. Mon frère, même les présidents de la République ont des cadavres. Tout le monde a des cadavres. Je dis tout le monde a des cadavres. Tu as compris? Et on ne vient pas exposer la vie parce qu'il vient s'exprimer. On veut voir ce qu'il vient nous montrer. C'est doit être propre. C'est tout. Le reste, là, la vie privée avec qui baisse les chats, les chiens, les animaux. On s'en fout. Toi-même, tu n'as pas une belle vie. Tu as fait les enfants, tu as abandonné, tu t'occupes. Donc, Ducamé, continue sur Flo. On va te signaler. Ta page, là, va disparaître. Tu vas voir les abeilles. On va faire un meeting. On va signaler ce complot type-là. C'est ce que je dis. Merci. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Vous ne pouvez pas toujours menacer les gens que vous allez signaler les pages. Vous ne pouvez pas. Bonjour. Parce que même Flo, elle-même, elle n'est pas simple. On parle comme ça, on n'est pas simple. Ce n'est pas que chaque fois que quelqu'un va parler, vous dites que vous allez venir signaler les pages. Ça, bonjour, docteur. C'est une mauvaise arme que vous utilisez tout le temps. Parce que vous voulez que Flore existe seule sur la toile. Dès que vous voyez notre page qui n'est pas d'accord avec Flore, vous dites que vous allez le signaler. C'est tout ça là qu'on vous reproche. C'est tout ça là comme ça là que vous faites. Les gens sont sur Flore en tas. C'est tout ça là que vous faites. Les gens vous en découvrent avec Flore. On vous demande allô? De déposer les armes.
Est-ce que je peux parler, Dorcas? Oui, ma chérie. Bonjour, bonjour, Dorcas. J'ai pris le direct un peu plus tard, mais bon, je me permets de donner mon avis, c'est la première fois. Je voudrais dire que cette histoire-là, c'est vrai, c'est sale. C'est vraiment très sale. Il y a des camps sur la toile depuis des années, et moi, je voudrais dire qu'elles sont toutes pareilles. Toutes. Parce que si Flore parle avec la dame-là, elle sait de quoi elle est capable. Donc, elle sait qu'elle enregistre. Flore sait que c'est une caisse enregistreuse. Les autres, c'est pareil. Elles savent, elles sont toutes pareilles. Moi, j'aime bien Flore. Franchement, je l'aime bien. Je ne suis pas une abeille. Je les aime quand elles font des choses qui plaisent. Donc, je ne veux pas dire que je suis fanatique. Non, j'aime sur des actions précises. Mais à un moment, il faudrait qu'on arrête. Et qui va arrêter? C'est nous, c'est vous qui faites les directs. Moi, je suis un profil privé. Il faut arrêter de leur accorder de l'importance. Ce n'est que comme ça qu'elles pourront arrêter. Sinon, jamais ça ne prendra fin. Vous voyez une histoire comme ça, c'est toute la toile camerounaise qui est en ébullition. Tout le monde partage, tout le monde partage. Et après, on se plaint que oui, on salit la jeunesse, il faut qu'on arrête, il faut protéger la jeunesse. Mais non, on fait une chose. On fait une chose et son contraire. Si on veut que la jeunesse ne soit pas au courant, il faut arrêter de faire large diffusion de toute cette saleté, parce que oui, c'est sale. Moi, si on me demande mon avis, blâmer quelqu'un, moi, je blâmerai les personnes qui rendent cela public, parce qu'on sait, chacun a des cadavres dans son placard. Il y a des gens qui ont des saletés dans leur vie privée, et c'est privé, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir ce que les gens font dans le noir. Mais vraiment, il faudrait que nos frères et sœurs qui se disent blogueurs arrêtent de partager ce qui est sale. C'est dommage parce que quand c'est bien, on ne diffuse pas autant. Moi, je ne peux pas blâmer Flore. Je ne peux pas blâmer les autres qui sont impliqués dans cette histoire. Je blâme la personne qui a rendu public. Et toutes les personnes qui sont en train de relayer l'information depuis plusieurs jours, vous faites tout pour que tout le monde soit au courant. Il faut arrêter. Bonjour. Il faut arrêter. Vraiment. En fait, Dorcas, c'était mon avis. Pour moi, il faut arrêter de diffuser. Si on les ignore, je pense qu'à un moment, elles vont se calmer. Moi, c'est ce que je pense. Qu'on ne partage plus. Merci. Merci de m'avoir accepté dans ton direct. Tu peux me couper la place aux autres. Ouais, ma soeur. Depuis que tu es en direct sur l'affaire ici, maman. Ok, ça te touche, hein? Je crois même que tu es sur la bonne voie jusqu'à j'avais la parole de Dodo. Maintenant, les faux propos sont venus tout mélanger. Il faut calmer les deux camps, maman. Il faut calmer les deux camps. Et il faut que. Moi, je ne suis pas pro quoi que ce soit. Je m'en fous. Ce sont mes soeurs. Il faut que les abeilles apprennent à dire la vérité à leur ennemi. Que René, tu es trop impulsif. Tu es trop impulsif. Parce qu'à la base, même ce poème ne regardait même pas ma faute. Elle dit que Nadège l'a insulté inbox. On ne savait pas, c'est elle qui est venue exposer ça. Et puis, ça a fait ce bruit-là, en fait. Elle pouvait appeler Nadège. Que Nadège, ma soeur, comment tu peux me faire ça? Et c'était fini comme ça. Nous, on n'allait même pas savoir. Mais ça, elle a commencé d'abord à invectiver Nadège. Nadège aussi a commencé à se chauffer. Elle a parlé de ses enfants, parlé de ses trucs comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on règle quand même les problèmes. Facebook n'est pas devenu où on doit venir tout exposer. Maintenant, on a l'impression que quand tu as un problème avec ta soeur, tu ne peux plus l'appeler au téléphone. Tu vas sur Facebook, bipez-moi tel. Et c'est comme ça que l'affaire a pris l'ampleur. Ngossa, elle n'arrange rien. Elle n'aide pas Flore. Moi, je pense qu'elle est en train de plus noyer Flore qu'autre chose. Ah, mais ça peut aussi être sorti, non? Parce que ça tourne, ça vient tout tomber sur ça. Ça devait sortir comme ça. Tu crois qu'elle allait être là à faire ça? C'est que chacun ne maîtrise pas le dossier. Maintenant, là, elles sont prêtes que Nadège arrête. Elles sont prêtes parce que même composition. Oui, parce que ça les dépasse. Ça peut aller compromettant jusqu'à demain.
Le problème là tourne toujours, ça vient atterrir sur Flore, parce que c'est la tête de Flore qu'on veut là-dedans, dans cette histoire. Alors qu'à la base, ça ne regardait même pas Flore. Si elle avait bien géré, ça ne devait même, elle ne devait même pas entendre son nom dedans. Maintenant, c'est devenu son problème parce que ça tourne, c'est Flore. Tous ses ennemis sont autour de l'affaire. Elle avait fait ça, elle avait fait ça. C'est difficile, la mère. Et toi, tu as commencé un direct tout à l'heure, tu disais que Wakatologue, elle est d'un autre pays, ma. C'est à la guerre comme à la guerre. Non, si déjà les filles entre elles ne s'aiment pas, ma. J'étais là, j'ai tout suivi le direct. J'ai tout suivi ton direct depuis le début. Je me suis endormie, je me suis encore réveillée sur ça. Eh, maman, tu as vu, non? Tu t'es endormie, tu es sur tout. Je te jure, c'est pour ça que tu dis que tu es forte. Mais quand je disais que j'arrête, maman, les autres gens venaient. Il y a même un dossier où c'est le dossier de qui là où la fille qui dit qu'on a publié ses enfants, où on l'appelle comment, elle est venue aussi au Arc. Voilà. Ça, c'est un problème qui est très compliqué, ma. C'était grave. Il y a trop de rancune. Il y a trop de rancune là-dedans. Je ne pouvais même et maintenant, les Camerounais. Les Camerounais sont trop hypocrites et ce n'est pas bien, ma. Ce n'est pas bien. Parce que on dit que Wakatologue est malienne ou quoi. Dans toutes les teams, là, il y a plein d'étrangers comme ça. Plein qui insultent dans les back-back. Oui, qui insultent dans les back-back. Vous laissez. C'est ce que Nadège aussi est passé là tout à l'heure. Elle a dit, Nadège a dit que on ne peut pas l'accuser qu'elle utilise Wakatologue qui est malien. Oui. Parce que le camp d'en face aussi utilise. Il y a je dis qu'il y a tout le monde, même les. C'est partout, c'est tout mélangé. Là, ça ne vous dérange pas. On ne peut rien. Entre vous-même, les sœurs, qu'est-ce que vous ne nous avez pas montré sur Facebook? Appelez les préfectures. Vous avez knock tous les trucs, les nos business qu'on faisait ici entre nous. Appelez les préfectures pour dire que tel enfant n'est pas de tel. Ce n'est pas l'autre qui a reconnu. Insultez les mamans des gens. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Et ça vous dérange maintenant qu'une étrangère vienne vous insulter, vous mettre, vous parler. Revoyons-nous déjà entre nous avant de dire qu'une étrangère. Nous-mêmes entre nous, on s'aime d'abord, maman. Montrer les camions, les autres, comment ils sont en train de taquer là-bas. C'est nous-mêmes toujours les Camerounais qui sommes allés montrer comment nos soeurs gagnent leur argent. On ne juge pas la vie des gens. Hey, et maintenant, vous dites que Wakatologue est monté des camions. Quand tu arrives à l'aéroport international, dès qu'on connaît que tu sors, on dit que tu es une prostituée. Alors qu'il y a plein de Camerounaises qui se lèvent le matin pour travailler. On a fait quoi aux gens? Adama, on a fait quoi aux gens? Il n'y a plus d'amour entre nous, les Camerounais. Moi, je suis souvent les directs de Ducamé. Franchement, c'est souvent intéressant. À des moments, voilà. Hier, moi-même, je n'ai pas compris comment il a pris celui de mettre la soeur, la mère des Bogos aussi dehors. Je ne sais pas. Donc, je ne comprends pas même, finalement, nous-mêmes, comment on se comporte, maman. Je ne sais plus. Ducamé a fait fort avec la mère des Bogos. Oui, il n'a pas intervenu, la dame. C'était la Chimamelu là-bas. Mais tu vas lui parler, il ne t'écoute pas. Les noms des gens sont tous sortis. Oh, tel vend le piment, tel vend ceci, machin. C'était. Moi, je ne sais pas. Là-bas, chez Ducamé. On dit que les noms sont sortis sur Koto. Il te dit que là-bas, c'était très grave. Moi, je ne comprends plus les Camerounais, en fait. Au lieu de faire les choses pour que nous, on avance, notre pays soit. Mais c'est mieux qu'on ne fait que descendre, Maman Dorcas. Descendre. Je ne comprends pas. Et c'est que entre les femmes, même, que c'est grave, alors. Allô, Maman Dorcas. Oui, ma chérie. L'histoire de Ducamé, là, c'est... Ducamé dit ceci, que la dame, là, a dit que si lui ne prend pas le dossier, elle pas donné ça à l'ennemi de la maman de Bogos, qui est Maman Guylaine Chaput. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas aussi sur ça? Donc, tôt ou tard, ça devait se retrouver sous la toile. Mais elle pouvait donner, ma soeur. Ma soeur, mais elle pouvait accepter. Parce que maman, elle ne sa personne, maman. Maman des beaux gosses, c'est la personne de Ducamé. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter de lui. Maman, Ducamé, c'est que je ne voulais pas dire à la maman de beaux gosses quoi. Quelque chose qui est après, ma soeur. Elle pouvait même tuer ça en venir dire que je m'en fous de tout ça. Mais au lieu de venir de 14, elle pouvait venir dire que je m'en fous.
Et ça allait partir comme ça. Tu dis, ma sœur. On allait c'est vrai quand même. Non, mais, Marc, que ce soit maman de Guylaine Chapu qui prenne le dossier ou du Kamé, quelle est la différence au final? C'est exposé, non? C'est exposé. Allô? Bonjour, ma chère. Là. Oh, mon Dieu, moi, je ne sais plus quoi dire. Mieux on vend une fois le Cameroun à part Poutine. Et avec lui, au moins, il va bien remettre les choses à l'ordre. Parce que là, c'est de trop. Ça part dans tous les sens. Moi, j'avais dit à ma soeur Perpétue. Peut-être qu'elle lui parler en patois pour qu'elle comprenne. Moi, ce homme est bon, ma soeur. Arrête de faire ça. Si tu aimes Flore, dis à Flore que ma, tu sais, les sons comme ça. Quand il y a les sons comme ça, ce n'est pas grave. Les enfants que nous avons accouchés. Quand je vais avec un homme, je ne publie pas. Hey, maman, ça ferme dans les champs. Dans les champs. Qu'elle s'arrête. Mais c'est enregistré. C'est ça le problème. La cause, c'est l'enregistrement. C'est ça le problème. C'est pas autre chose. Oui. C'est la personne qui bonjour. Et je demande aux autorités camerounaises d'attraper tout bonjour ça. À tous. Si bonjour, en prison, ces gens-là doivent aussi faire un tour en prison. C'est toi, au téléphone, laisse faire Petit et Marfo tranquille. Je les ai frappés, je les ai tués. Mais on ne peut pas dire quelque chose à ses soeurs. Vous, on fait le direct, alors c'est pour faire quoi? Vous êtes pour ça. Merci. Allô, peut-être. Moi, je pense qu'on te dit à gauche, les abeilles à gauche, les Lomaya à droite. Ouais, Masso, je suis foutu. Allô, peut-être. Moi, ma participation, c'est quoi? Ma participation, c'est que il faut que Marco. Au Sénégal, on suit. En Côte d'Ivoire, on suit. Les millions, tu vois ce qui se passe. Allô? Oh. Allô, maman Dorcas? Oui, maman. Moi, j'ai une question. Hein. Mm-hmm. Comme c'est entre Ouakatologue et Nadège qui dit que moi, je soutiens Nadège parce que je suis loyale. Et là, Tata Lolo, elle a l'écart. D'accord. Et si c'était entre Mafo et Lolo, Ouakatologue allait faire comment? Elle allait être Walache qui? Lolo, bien sûr, parce que Lolo. Elle allait être Lolo. Pourquoi alors elle n'arrête pas alors que les deux sont en paix? Parce que là, Mafo va prendre sa mal. Aujourd'hui, que Ouakatologue ne va plus faire des sorties. Tant que le camp d'en face aussi est calme. Mais s'ils veulent jouer les durs et continuer à venir. Parce que si Mafo fait comme ça, le gars, c'est que c'est l'hypocrisie. Mafo, elle a ça dans son cœur. Ce qui est sûr, elle a ça dans son cœur et elle regarde maintenant sa yamseur avec un œil gauche. Moi, je vous dis la vérité, arrêtons l'hypocrisie. Et en plus, moi, mon souhait, ce n'était que moi, c'est que le camp de Nadège verse tout. Parce que si elle ne verse pas tout, demain, ça serait un chantage. Autant mieux, on gâte tout et on repart sur des bonnes bases. Elles ne vont pas tout verser, alors. C'est ça, alors, le point, ma chérie. Elles ne vont pas verser tout. Elles vont toujours garder une balle pour demain. Tu vois? Non. Parce que ma foi a fait son direct. Elle a cité de certaines choses qu'elle dit qu'elles ont ça. Parce que moi, je ne peux pas croire que je ne supporte pas Coco. Apparemment, son téléphone a été piégé. Parce que même si tu dis bonjour à Coco, c'est enregistré. Même les toutes les futilités, c'est enregistré. Ça veut dire que son téléphone a été piégé. Oui. Son téléphone a été piégé. Elle-même qui a envoyé ma. Non. Même pour la comédienne. Mais bien sûr, pour se montrer qu'elle a du succès, je ne sais pas moi, mais c'est bien. Il y a des gens comme ça. Pour montrer que sa vie dose.
Non. Et ma soeur, tu as dit quelque chose là tout à l'heure que wow, on ne doit pas dire à Wakatologue que wow, l'étranger. Ma chérie, c'est l'image du Cameroun qui est en jeu. Gardons la sécurité. L'image du Cameroun est en jeu depuis quand nos soeurs même ont commencé. Moi, je m'en fous de Wakatologue. Moi, pour moi, elle est africaine. Ma, attends, elle ne peut pas. Non, non, non. Elle ne peut pas venir semer le trouble chez nous. Je dis non. Laissez-moi le trouble est assez. Bédan, on se lave entre nous. Nous. Ah. Bédan, on se lave entre nous. Nous. Elle n'a rien à perdre. Hein. Même s'il faut tester la présidente. Même s'il faut piéger Chantal Biya, la première dame aujourd'hui, elle va verser tout. Hein. Elle n'a rien à perdre. Hein. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Le problème, c'est que si on veut jouer à ce jeu-là, ils n'ont pas tout. Le problème, il y aura les dégâts. Le problème, c'est que parmi tous les faux profils, là, il y a toujours des gens qui ne sont pas du Cameroun, non. Attends, écoute, Dukamen, non. Dukamen, soutien total, aujourd'hui, demain et après-demain. Expose-moi tous ces wakala. Ce qui est sûr, c'est ça. Ça, c'est pas une chose de ton contraire, ma soeur. Tout ça, c'est tout le Cameroun qui est exposé, non. C'est entre nous, nous. Parce que... Je vais te dire une chose. Quand c'est une personne qui vient, on lynche la personne. Voilà qu'on a sorti pour la maman de Bogos. Tous les bagantés sont en train de la maman de Bogos. Le tribalisme que vous regardez, vous mettez sur la toile, on voit ça. Bon, c'est pas moi bagantée. Yamse, on te supporte. Moi, je suis pas moi bagantée. Ayam, non, là-bas, Yamso, on te supporte, Yamso, on te supporte, mais quand c'est pour une autre personne, laissez-moi ça. Vous ne pouvez pas attendre, donc, c'est tout le monde est là-bas, oh, Yamso, on te supporte, et Yamso, ah bon, pour d'autres personnes, on doit parler, n'est-ce pas? Soutien du Kamer, pousse-moi tous ces femmes-là, avec travailler. Il y a les formations en France. Levez-vous, vous voulez travailler. Arrêtez la mendicité. Vous n'avez pas honte devant vos corps. Vous n'avez pas honte. Hein? Allez travailler. Tu peux donner ton corps pour 30 euros, pour 10 euros. La fin serait quoi? À la fin, hein? Allez travailler dedans. Mais de. Quand vous exposez, vous dites que vous êtes éduqué, méchant. Il n'est jamais méchant. Si on parle pour Flo de lui, on a parlé pour tout le reste. Tout le monde doit exposer. C'est la guerre comme la guerre. Tout le monde doit être exposé. On ne doit pas cacher pour l'autre et exposer pour l'autre. C'est quoi? On est fatigué de vous, dis donc. Et c'est vous qui donnez les leçons aux gens. Vous insultez les gens. Elle est sale, elle est laide. À nous qui travaillons, on a payé. Vous êtes la Voilà. Ne dangerez pas du don. Oh, du canon. Du canon. C'est là. Maman, tu as pas de temps. Tu as plus de 10 heures de direct pour te reposer. Plus que tu as devenu. T'es épuisé, hein? Le problème, c'est que ça ne va pas se régler comme ça. Hein. Tu peux t'asseoir à même 20 heures. Ça, c'est un problème interne. Chacun sait régler ses comptes de depuis. Donc, faut te reposer. Dis donc, arrêtez vos choses. Vos trucs, la saleté. Parce qu'il décrypte les choses. La Samaya a un prix. Quand tu peux t'exposer, il faut savoir que tu vas écouter. Arrêtez ça. On est fatigué, dis donc.
Maintenant, sincèrement, ce n'est pas bon. Ça fait des années qu'on te parle, tu n'écoutes pas. Arrête d'enregistrer les gens. Pas parce que tu n'as pas de problème sur toi. Ce qui est énervant, c'est qu'elle enregistre l'envoi. Oui. Pourquoi il faut arrêter en guerre? Regarde, le Cameroun est à diviser. Ce n'est pas bien. Non, non, non. Tout le monde est qualifié de pimentier maintenant. Oui. Sincèrement, tu vas parler à un Gabonais, à un Congolais. Oh, pimentier, oh là, oh là, on est où là? On est où là? Partout où on va, on va se défendre. Hein? Cachez vos merdes là. Cachez ça. Punaise. Oh là. Pour ceux qui sont piment, moi je ne suis pas piment, donc si quelqu'un m'insulte pimentier, non, c'est son problème. Du moment que je sais dans mon fond intérieur que je ne le suis pas, je m'emballe les couilles en fait. C'est un peu ça. N'importe quoi, je me suis adressé à vous, merde. Si je ne suis pas ce qu'on dit, je m'en fous en fait. Tu t'en fous. Tu n'es pas, tu sais que tu sors le matin, tu vas travailler. C'est un jour tu sors le matin pour aller voir les cours. Allez, regarde. Quand tu viens mettre un commentaire comme ça, moi je ne suis pas de l'Ouest. Moi tu viens, tu faisais toutes les femmes de l'Ouest qui sont dans le Waka. Les femmes des autres qui sont aussi dans le Waka. Il faut arrêter ça, mes frères. C'est les aigris qui écrivent les choses comme ça, les gens qui aiment casser la haine. Je te peux te donner même deux noms de filles qui ne sont pas de l'Ouest et qui sont dans le Waka. Il faut arrêter ça. Le problème concerne le Cameroun. Il faut arrêter de dire que les filles de l'Ouest. Non, tout le monde vend. Tout le monde vend. Tout le monde vend. Non, là-bas, je ne suis pas d'accord. Ben, je ne suis pas d'accord. Tout le monde vend comme ça. Mais sincèrement, Coco, arrête. Arrête la saleté que tu es en train de faire là. Arrête. Tu es en train d'exposer les comédiennes. Tu es en train d'exposer tout le monde. Et mes soeurs, vous qui êtes en train de dire. Sorti, là, c'est rien, hein, que les artistes sont en train de venir. Voilà, c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut qu'on fasse le saga, saga une fois et on passe à autre chose. 2023 arrive, on tourne la porte. Les artistes là, vous ont dit qu'ils veulent que le nom sorte. Ils veulent pas le saga, pourquoi les comédiens sont en train de sortir? Les comédiens ont demandé quoi? Pourquoi ils sont en train de sortir? Pourquoi? Maman Dorcas, je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Intervient, ma soeur. Maman Dorcas, merci de me laisser revenir. Je voudrais dire à mes soeurs qui sont en ligne là que le saga-saga là ne nous apportera rien. Ben rien. Nous sommes arrivés à un stade où vous dites que on doit se justifier partout parce qu'on nous appelle des pimentières. Vous dites que le Cameroun est sali. Moi, je suis camerounaise, mais à aucun moment, moi, personnellement, je me sens sali par ce qu'elles font. Je ne me sens pas concernée. Et pour moi, pour que mes enfants ne tombent pas là-dessus, il faudrait qu'on arrête de partager. Ce n'est que comme ça que les plus jeunes ne verront pas. Moi, je ne me sens pas concernée. Et ces femmes-là ne représentent pas... Elle ne représente pas la diaspora camerounaise, jamais, parce qu'elle ne travaille pas. Il y a des médecins, les Camerounais sont des cerveaux, des têtes pleines. Vous savez combien de médecins il y a seulement en Île-de-France, médecins camerounais?
Qui vous a dit qu'elle représente le Cameroun? Elles font tout ce qu'elles veulent. Et si ce sont des prostituées, on s'en fout. Chacun fait de sa vie ce qu'elle veut. Qui sommes-nous pour les juger? Mais nous ne voulons pas savoir. Nous ne voulons pas savoir ce qu'elles font dans le noir. Arrêtons. Il faut arrêter. Je m'adresse principalement à mes soeurs là, qui disaient qu'on doit faire le sagat-sagat. Non, ma soeur. Sagat-sagat parce qu'après, ça serait le chanteur. Tu les connais. Après, tu vas justement, même ce qui, ma soeur, même ce qui est arrivé sur la toile là, c'est parce que c'était le chantage. Voilà. Il faut savoir qu'à partir du moment où c'est déjà dans les inbox des autres blogueuses qui n'aiment pas Flore, parce que moi, j'en avais déjà entendu parler avant que Flore ne commence à faire tes posts. Ça veut dire que c'est gâté. Ça va sortir. Une fois que c'est arrivé là-bas, on monte, on descend, ça va sortir. Et je pense que pour couper le chantage, là, Flore a fait en sorte qu'elle s'expose. Parce que ce n'est pas elle qui expose, elle a juste percé et bim, tout est dehors. Mais nous autres, qu'est-ce que nous faisons? Moi, je suis un profil privé. Vous ne pouvez pas voir sur ma page que j'ai commenté ces bêtises-là. Je regarde, je dis, ben voilà, c'est dommage. Mais si tout le monde faisait comme moi, c'est que ça ne va pas plus loin. C'est, ça va arrêter. Les buzz, tous les jours, il y a des buzz, maman Dorcas. Il y a des buzz. On parle deux jours. Après, on n'en parle plus. Parce que personne ne s'intéresse à ça. Mes sœurs, le sagat-sagat, là, ça ne nous aide pas. Ce sont les nouvelles générations là, qui vont souffrir de tomber dessus. Alors que si on arrête. Et je vois souvent des gens qui commentent et qui disent qu'il faut arrêter Flore au Cameroun. Non. Pourquoi l'arrêter? La personne ou les personnes qu'on doit arrêter au Cameroun, ce sont des personnes qui ont rendu cela public. Ce sont ces personnes-là qu'on doit arrêter. Parce que cela relève de leur vie privée. Chacun fait de sa vie privée ce qu'il veut. La personne qui enregistre et rend public, dans ce cas, on devrait arrêter toutes les personnes qui partagent ces audios et ces vidéos-là. Voilà. Les gens pensent qu'ils sont très cachés. S'ils ne font rien, c'est parce qu'ils veulent. Avec les adresses IP, même ton téléphone, on te retrouve. On te retrouve, c'est clair. C'est parce qu'on le met. Donc, les gens pensent que parce qu'ils sont en faux profil, ils sont trop cachés. Faux profil ou pas, on vous laisse. C'est ça. Mais les personnes qu'on devait punir, s'il faut punir des gens, ne sont pas. Ce n'est pas Flore et les autres. On commence par la personne qui a enregistré, tous ceux qui ont partagé. Je vais profiter pour prendre un exemple, mes sœurs. Vous avez vu, il y a souvent des vidéos de pédopornographie. Oui. Si vous recevez un jour, je parle de la France ici parce que ailleurs, je ne sais pas. Si vous recevez un jour une vidéo comme ça d'un enfant, même à vos proches, vous ne devez pas partager. Ouais. Parce que si jamais ça éclate, il ne faut même pas oublier ça dans son téléphone. Il faut supprimer, il faut jeter à la poubelle pour stopper la diffusion. C'est ce qu'il faut faire. Parce que si tu oublies même dans ton téléphone et qu'un jour il y a un problème, on tombe dessus, alors là, je ne te dis pas ce qui va t'arriver. Hein. Tu ne t'en sortiras pas. Ce sont des choses, quand on reçoit, on met à la poubelle et on passe à autre chose. C'est ce qu'on devrait faire. Les gens, elles ne représentent pas la diaspora camerounaise. Je suis désolée. Quand on dit que la diaspora camerounaise est pourrie, non, c'est faux. Une poignée de personnes, elles ne représentent rien du tout. Elles représentent leur propre vie. Elles ne représentent rien. Voilà le Qatar qui est arrivé. Là, peut-être elles pouvaient même avoir un bon contrat. Avec tout ça, qui va donner le contrat. Même là-bas, elles ne doivent pas être. Laissez-moi vous dire une chose. Elles sont toujours en train de parler des petites filles au Cameroun qui sont en train d'évoluer. Et quand les filles, on voit comment les filles travaillent, on dit, oh, c'est le piment qui les amène là-bas. Voilà. Parce qu'on a fait croire qu'on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer en travaillant normalement. Les filles sont en train de les détrôner la Starmania. Si aujourd'hui, là, on veut donner les contrats, les filles, elles vont avoir les contrats. Mais qui va laisser que les filles, là, en fait, ce sont des vieilles chouettes. Des vieilles chouettes. Non, mais c'est vrai, elles ont voulu leur boss. On va leur donner le contrat de quoi? Qui va laisser qu'elles représentent son entreprise? Quand elles sont en ligne, elles ne savent pas qu'il y a les gens qui les regardent, les autorités. Tu vois, je te dis, ton Bangala, ton cul, je t'encule. Je te fais ce langage grossier. C'est pour ça que je dis...
J'aimerais dire à ma soeur là, qui a dit qu'elle doit se justifier, ma soeur. Si on dit que pimentière, tu ne regardes pas, tu dis dans ton cœur que ça ne me concerne en rien. C'est vrai. Rien à foutre. Moi, je suis camerounaise, je marche ici tête haute. Je ne me sens pas concernée. Si vous dites que les camerounais, je m'en fous. Je ne représente pas. Dans d'autres communautés, dès qu'on dit que vous voyez une camerounaise, ça se reflète directement au sein. Ça ne reflète rien, maman Dorcas. Ça reflète parce qu'on veut. C'est parce qu'on accepte de laisser que ça nous atteigne. Non, moi, je m'identifie aux camerounais que je vois dans les hôpitaux ici, des pédiatres, des généralistes, des chirurgiens. Voilà la vraie diaspora. Et ça ne verra jamais dans la saleté. Coco n'a même pas Facebook, donc elle fait tout ça. Elle est dans son coin là-bas. Les autres se battent. Elle est incognito. Les gens disent que j'ai honte pour mon pays, pour ça. Vous avez honte pour votre pays. Mais laissez-moi vous dire que vous contribuez à tout cela. Apple n'a pas honte. Vous contribuez. Quand on fait des directs là pour mettre la saleté, vous voyez 4000 personnes en ligne. Ah ça. 4000 personnes qui écoutent, qui mettent des likes, qui partagent. Pourquoi on dit partager, mettez le cœur. Et nous là, on va faire comment? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, maman Dorcas. C'est vraiment ce qu'on fait. Moi, j'ai interpellé un temps et ils ont coopéré. Demain, je vais essayer aussi d'interpeller l'autre temps. Je pense que pour finir... C'est le camp des orgueilleux, c'est le camp des gens qui disent que non. Ils maîtrisent. C'est le camp des gens qui disent qu'ils ne parlent pas avec les autres. Ils ne parlent pas tellement avec eux. Ils ne parlent pas avec les gens. Mais demain, je vais lancer. Et pourtant, ils ne sont pas en position de force. Parce que ce qui sort du camp de Nadège, là, ça détruit seulement. C'est trop c'est sale. Bien. Si ça détruit seulement. Bon, mais s'ils ne comprennent pas, on va les dire alors que, OK. C'est trop. Non, il faut les laisser. On ne peut rien dire à ces femmes-là. Je vous ai dit que ce sont des femmes qui ont roulé leur bosse. Elles n'ont plus rien à perdre. Elles n'ont qu'à laisser nos poupées, les milliers. Quand la fille de l'autre qui est venue pleurer, d'habitude, je ne commente pas. Je regarde, je fais vue et ignorer. Mais je me suis permise de mettre un commentaire pour dire à la fille-là que vraiment, ton enfant et toi, c'est les perdants de cette histoire. Parce que ta mère, c'est... À ta mère, je devrais dire qu'on, quand on vend les œufs, on ne cherche pas la bagarre. Et tu vas payer pour les erreurs de ta mère. Ah ben elle n'a oui, même hein. plus à Javel, apparemment. Parce que, franchement, quand vous-même vous voyez une maman qui fait quelque chose comme ça pour le bien de son enfant, qui se permet de tout raconter dans les moindres détails, oh, ce n'est même pas légal de un. Oui, des choses comme ça, on raconte. Vous pensez que vous pouvez lui donner quel genre de conseil? Il n'y a pas de conseil à lui donner. Les gens qui disent que son téléphone est piégé, son téléphone n'est rien piégé. Elle utilise une application. Et comme j'ai dit la première fois que je suis intervenue, j'ai dit que Flore sait qui est cette fille. Chez nous, on dit quand le serpent te mord, tu vois le mille pas, tu fuis. Donc, à partir du moment où elle a enregistré une première fois, elle a déposé en plein carrefour, tout ce qu'elle dit avec elle, elle est sur la retenue, elle est sur la réserve parce qu'elle sait que elle là, c'est sûr qu'elle enregistre toujours. Donc, elle sait ce qu'elle fait. Donc, si les voix là sont courtes, si ce n'est pas vieux, ça veut dire qu'elle savait qu'elle enregistrait et qu'elle a laissé la fille enregistrer. Mais moi, je pense que c'est ancien et que ça ne devrait pas ressurgir. Moi, je dis toujours que on ne devrait pas partager ça. C'est tout. C'est là que tu vois que Facebook, c'est une bombe. Parce que même les anciennes choses, regarde comment ça résonne. Le problème, c'est qu'on a rajouté la monétisation aujourd'hui pour faire des vues, pour avoir des euros. Parce que maintenant, les gens ne partent plus travailler. C'est sur Facebook qu'ils veulent avoir l'argent. On va finir par signaler toutes leurs pages là. Je pense que c'est ce qu'il faut même faire. Il faut signaler tout ça. Et quand on enlève la monétisation, et puis je vais voir ce qu'ils vont faire. Tu peux pas, parce que le Japap est plus fort que tout. Tu es abusé. Tu peux pas. Mais il y a chance dans le Japap qu'on ne se plaigne pas. Si on a choisi le Japap, qu'on ne se plaigne donc pas que oh, vous salissez l'image de la femme camerounaise. Moi, je suis une femme camerounaise digne, je ne me sens pas salie. C'est leur saleté à elle. Voilà. C'est leur saleté à elle. Je ne m'identifie pas à ces filles-là. Jamais. Jamais. Oui. Maman Dorcas, va te reposer, ma. C'est bon, non. On a parlé. Les gens ne font pas. Ben.
Bonne journée, ma. Bonne nuit, ma. Bonne journée. J'espère que ça va porter fruit. J'espère que espérons. Hein. Comme espérons. Ça peut aussi faire boum. C'est vrai que ce sont, elles se sont toutes fait du mal. Mais à un moment, il faut arrêter. Parce que si on dit dent pour dent, si on dit œil pour œil, dent pour dent, ça ne finira jamais. À un moment, il faut accepter. Tu m'as fait du mal, je t'ai fait du mal, on passe à autre chose. Fleur et compresseur l'ont fait. Qui aurait pu imaginer que les deux là pouvaient. Qui aurait pu imaginer? De Coco Coué tout sort, si tout son téléphone sort, ça va être la troisième guerre. Mais c'est elle qu'il faut arrêter. Mais qu'on arrête vraiment, je supplie les blogueurs là, ne partagez plus, pardon. Parce que ça ne vous rapporte rien, à part des vues là et quelques euros que vous allez gagner. Après, vous gagnez quoi? Vous gagnez quoi? Rien. Ça n'apporte rien à personne. Si ce n'est sali, comme vous dites, qu'on dit, oulala, les Camerounaises. Ma chérie, Flore jusqu'à présent est avec Coco. Voilà, vous me faites rire. Mais oui, c'est sa vie privée. On ne veut pas savoir. Vous m'avez, vous ne comprenez pas. Voilà Wakatologue qui vient de m'envoyer le téléphone qu'on avait envoyé à Coco Kouetou. Donc, Coco Kouetou, voilà, ça, voilà le téléphone. Est-ce que le téléphone, si, c'est un smartphone? Vous-même, regardez, c'est le Choronko. C'est le téléphone qu'on utilise pour les anciens téléphones. Les anciens téléphones. Oui. C'est quelle marque? LG, les anciens LG. Oui. Voilà ça. Oui. Voilà ça. Que Wakatologue vient de m'envoyer. Vous avez vu, non? Voilà ça. Donc, pour rétablir la vérité, comme on dit que le téléphone qu'elle avait offert à Coco, c'était un téléphone piégé, ce n'est jamais piégé. C'est Coco qui a enregistré dans que Nadège travaille aussi. Elle a envoyé. Ça là, c'était le téléphone, c'est le téléphone du piment. Maman Dorcas. Que Coco Kouetou reçoit ses clients. Maman Dorcas, tout ce que tu fais là. Est-ce que le téléphone, voilà le téléphone, quand on dit que le téléphone était piégé, voilà le téléphone que Nadège Mbapa avait donné. Maman Dorcas, le téléphone n'était rien piégé. Elle utilise une application pour enregistrer toutes ses conversations. Donc, il faut laisser qu'on l'a piégé. On n'a rien piégé. Donc, c'est dans un téléphone Android. Ça là, ce n'est pas un téléphone Android. Mais oui. Elle travaille seulement à la CIA pour enregistrer. Maman Dorcas, même si j'étais piégée, merci ma soeur, c'est vrai. Pendant ce temps, les Camerounais... Des applications. Même nous autres, nous pouvons avoir des applications qui enregistrent tout. Ce que les gens ignorent, c'est qu'il y a des applications aujourd'hui sur WhatsApp que quand tu mets ton statut, qui tu effaces, l'autre voit toujours. Le téléphone, les messages que tu supprimes, on lit. Le téléphone a été... On a envoyé ce téléphone, elle a donné ce téléphone à Coco le 16 juin 2022, de cette année. Parce que même voilà la date. Je ne sais pas. Je vais poster ça dans ma page. Donc, je vais essayer d'appeler aussi Wakatologue. Si elle peut. Maman Dorcas. Oui. Maman, pardon. N'essaie plus de justifier quoi que ce soit. Qu'elles arrêtent seulement de parler de ça. Qu'elles arrêtent. Qu'on fasse silence radio et qu'on passe à autre chose. On ne l'a pas piégé. Je vous dis que c'est une application qu'on utilise. Elle enregistre tout le monde. Bonjour, ma belle. Je viens de recevoir le téléphone et j'ai montré ça aux internautes. Tu as compris? J'ai montré ça parce que la vérité est très importante. On a vu le téléphone et elle a reçu ce téléphone le 16 juin 2022. Voilà, et donc, c'est un Choronko, on appelle ce genre de téléphone au Cameroun, Choronko. C'est le téléphone qu'on ne peut que faire le call box avec. On ne peut pas télécharger une application, rien. Donc, ça veut c'est dire le, allô, allô. Que Coco elle-même a enregistré les gens dans son autre téléphone Android et elle a balancé. Ce n'est jamais un téléphone piégé. On ne piège pas le genre de téléphone. Voilà. Tout ça, c'est parce que les gens veulent trouver les circonstances atténuantes. Il n'y a pas de circonstances atténuantes. C'est une caisse enregistreuse. Oui, le téléphone a été piégé. La neige a enregistré Coco alors qu'il n'en est pas
Nadège n'a rien enregistré. Tout ce qui sort, ce n'est pas un enregistrement de Nadège. C'est Coco qui prend le soin de faire ce qu'il a à faire avec les gens. Elle enregistre et elle envoie aux autres personnes avec qui elle est proche pour montrer comme preuve. C'est tout. Voilà. La comédienne au Cameroun, maman, elle a pris sa part. Voilà, non, moi-même, je n'ai pas dormi. C'est bon pour moi aujourd'hui. Mais je merci. J'espère que tu n'as pas changé d'avis. Tu m'as donné ta parole. Tu as dit, tu déposes les âmes tant qu'on ne te provoque pas et on ne provoque pas Nadège. C'est ça, non? Voilà, on ne sort pas sur Nadège. C'est bon, ouais. Moi, je défends Nadège. S'il n'y a rien à défendre, je ne vais pas sortir. Il faut arrêter le... Il faut arrêter le chantage, Wakato. Il n'y a plus rien à défendre sur Nadège. Vous avez déjà tout gâté. Prenez la paix. Arrêtez la maintenant. Ça a plus abri à Javel. Hey. Il faut arrêter. Il n'y a plus rien à défendre. Vous voulez défendre quoi? Son image est déjà aussi sale que la boue. Vous voulez défendre quoi? Il n'y a rien à défendre. Il faut arrêter. Il faut stopper. Au revoir, maman. Bye-bye. Bye, maman. Bye. Je ne travaille pas demain, donc j'aurai le temps de me reposer dans la journée. Je vais relancer un live pour interpeller le camp d'en face. Parce que le camp de Mbappé est en train de coopérer. Il faut maintenant le camp d'en face. Il faut chercher les portes de sortie. Je ne suis pas pour ceux qui disent que non, on doit le laisser publier tout. Il y aura les non, on ne publie pas ce qui. Dénoncer le lesbianisme. On ne soutient pas ça sur aucune des formes. Mais en même temps, chacun sa vie, mon frère. Chacun, c'est la vie privée. On doit condamner ceux qui exposent. Chacun fait de sa vie privée ce qu'il veut, maman Dorcas. Oui. Mais on ne veut pas savoir. On dénonce avec la dernière énergie ce fléau de lap-lap qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est en train de détourner cette jeunesse montante. Mais qui est ce lap dans leur chambre? Nous, ça ne nous concerne pas. Moi, ça ne me concerne pas. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais, oui. Mais qu'on ne nous montre pas. On refuse la publication de la vie privée des gens. Oui, on voilà. Refuse aujourd'hui, on refuse demain, on refuse après demain. Les gens qui ne font pas envoyer les demandes, vraiment, je suis fatigué. Ça fait près de 9 heures de live. La tête, je ne suis pas sûr que... Toi-même, tu es forte, ma mère. Mais je dis que... Parce que ma tête l'a encaissée aujourd'hui juste. Je vous aime tous. Prenez soin de vous. Repose-toi, maman. Bon repos. Prenez soin de vous. Bon repos. Écoutons la rose africaine. C'est pas ce qu'elle va faire. Madame, quand on aime le Japon. Elle est là, sa cible. Elle est pour qu'on gâte pour une personne. La rose, moi, j'ai pas été à dormir. C'est parce que tu as envoyé le live. Tu as envoyé la demande. Elle voulait être pourrie. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Maman, non, non, je ne suis pour personne. Arrêtez, je ne suis pour personne. Voilà, parce que vous m'avez vu sur cette... Quand le problème est sorti, je ne me suis même pas mêlée. Et j'étais la première. J'étais la première dès le début, quand Flo a commencé à faire les posts, aller regarder mes directs. J'ai dit ceci. Arrêtez ce problème. Amortissez, parce que ce qui arrive là, ce n'est pas bon. J'ai dit ça dès le début. Donc, ne me venez pas dire que je suis pour quelqu'un. Parce que ces gens-là, elles sont toutes pareilles. Au même titre, personne ne va entendre qu'il est faible, qu'il a perdu. Personne ne va entendre. Et moi, je vais vous dire, je connais Flo. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans les réseaux sociaux. Si Flo ne se prononce pas, c'est parce qu'elle est en train de regarder. Flo attend que le camp d'en face finisse ses balles. Et elle va maintenant refugier. Flo ne laisse pas pour elle à l'étranger. Je la connais. Et tout le monde, nous tous, on connaît comment Flo fonctionne. Donc, le camp d'en face aussi essaie de garder d'autres balles. Même si Wakata dit là que, oh, elle va calmer. Wakata va calmer tant qu'il n'y a pas le risque en face. Mais on connaît comment est Flo. Flo ne peut pas. On connaît Flo. Elle attend que, elle est en train de les pousser à bout pour qu'ils sortent toutes les balles. Et puis maintenant, elle va maintenant sortir. Et elle va dire ce qu'elle a dit. Donc, moi, c'est ce que moi je vais dire. Moi, mon problème, je plaide aux abeilles. Je demande aux abeilles, s'il vous plaît, parlez à votre mafou. Même si vous n'êtes pas obligé de faire le direct pour lui dire, vous pouvez lui parler même individuellement. Dis-lui que notre mafou, tu es passé à autre chose. Aujourd'hui, tu as ton image est propre, ton image est autre chose. S'il te plaît, notre mafou, il faut être grande à passer sur certaines choses. C'est ce que moi, j'appelle les abeilles de dire à leur mafou.
Mais eux, ils ne comprennent jamais ça. Ils pensent seulement que les gens sont contre. Non, ils ne comprennent pas la langue. Ils n'ont pas la langue. Oui. La Rose, je voudrais te dire que oui. Quand Flo commence à faire ces posts-là, oui, les voix-là sont déjà dans les inbox de la oui. Dame du Canada, celle Event, là, qui parle. Donc, c'était qu'une question de temps. Même si oui. Flo ne faisait pas les posts, tout cela allait apparaître. Parce qu'elles en parlaient déjà dans des directs. Donc, c'était une question d'heure. Ça allait toujours sortir. Donc, ce n'est pas parce que la. Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, moi, j'aurais encore préféré que Flo ne fasse aucun poste. Flo fait comme si elle ne voit rien. On vient. Non, elle était tenue au chantage. Tout le monde allait voir que. Oui, non, maintenant, Flo allait avoir raison à 100% parce que tout le monde allait. Parce que là, tout le monde dit que c'est elle qui est venue mettre ça sur la toile. C'est elle qui est venue. Non, tout le monde ne dit pas qu'elle est venue mettre sur la toile. Le problème, c'est qu'il y a des camps. Toute personne qui est dans le camp d'en face, quel qu'en soit ce qu'on va montrer, va dire que non, la faute revient à l'autre. Et c'est vice-versa. Donc, tout ça, il faut seulement qu'on arrête. Machougou, je n'étais pas dit que quand vous allez parler à Flo, vous venez me dire. C'est pas ce que j'ai dit. Mais le problème, c'est que si vous parlez à Flo, vous n'avez pas besoin de venir dire aux gens. Je ne suis pas une abeille. Quand tu vous parles, je ne suis pas une non, abeille. Non, je ne réponds à une abeille. Je ne réponds pas à une abeille. Ce n'est pas à toi. Okay. Je ne réponds à une abeille. Je ne vous dis pas de venir me dire, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est-à-dire qu'on va voir la réaction en fonction si Flo vous écoute. Quand vous allez lui parler, si elle ne vient pas, ça dit qu'elle n'est pas obligée. Quand on est passé à autre chose, on est passé à autre chose. Arrêtez aussi ça, hein. Flo est camerounaise. La Rose, elle vous a parlé de une costume camerounaise. Oui. Arrêtez toujours de faire comme si vous l'aimez trop. La Rose, il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un a la photo de Flo ou de Lolo ou de l'autre que la personne l'aime beaucoup. Hein. C'est faux. Hein. Ce sont des personnes qui attisent la haine. Bien sûr. Je suis très d'accord avec toi. Ce sont des personnes qui attisent la haine et qui se nourrissent de ça. Quand c'est calme, ça ne les arrange pas. C'est les autres qui sont exposés. Donc, la personne qui a le faux profil avec la photo de Flo va insulter chez Compressor, va insulter chez Lolo, va insulter chez toi. La personne qui a la photo avec ton faux profil va encore insulter chez les autres et ainsi de suite. Et c'est la même personne. Et il faut savoir que ce n'est pas parce que les gens disent que Flo ne peut dicter la conduite de personne. Personne. Donc, chaque personne qui prend son téléphone pour aller insulter le fait à son âme et conscience est responsable de ses propos. Ça, je suis d'accord. Mon problème ici, c'est que, ce que moi je dis, c'est que par rapport à cette histoire, nos stars qu'on regardait devant, déjà, moi, de toute façon, moi, je continue à les regarder autrement. Parce que moi, je considère ça que ça, c'est les histoires qu'on a vues qui s'est passées. Elles ont décidé, beaucoup d'entre elles ont décidé à passer à autre chose. La preuve, est-ce que tout ça, vous avez vu ça, ça a affecté Flo? Non, Flo a continué à aller faire ses mais ses moi, soirées. Flo a atténué l'effet de bombe qui se préparait sur elle. Oui. Elle a contrecarré leur plan. Parce qu'elle voulait que ça fasse d'abord. Elle voulait que ça fasse boum. Non. Il n'y a pas plus stratège que Flo sur les réseaux sociaux. Ça, je vous le dis. Hein. Ben justement, elle était tenue au chantage. Et je vous dis, mais voilà, il faut qu'on arrête de partager tout ça. Ce n'est pas qu'on la tient au chantage, mais cette fois-ci, Flo ne s'attendait pas que ce que le clan d'en face avait. Parce qu'elle voulait que jusque-là, si Flo est encore silencieux, c'est parce qu'elle veut que le camp en face baisse tout. Je vous dis qu'elle savait. Elle savait parce que Flo sait qui est l'enregistreuse. Flo savait. À partir du moment où Flo a su que son nom était apparu dans le Congo ça et qu'il y avait des voices, elle sait que la même personne qui lui envoie des voices envoie ses voices aussi aux autres parce qu'elle est comme ça. Elle la connaît. Voilà. Et elle voulait donc, elle a voulu mettre tout ça à jour. Flo a voulu mettre tout ça à jour. Elle n'a pas voulu mettre à jour. C'était déjà sorti. Et on voulait faire l'effet de bombe que, on détruit Flo. Sauf qu'elle a su. Et elle a dit, OK, je ne vais pas céder à votre chantage. Que vous me demandez si je fais niaque, on balance. Alors, balancez. OK. Parce que je vais vous pousser à bout. Elle savait que ce n'était pas bon, que ce qui allait sortir n'était pas bon.
Et ça va... En même temps, il y a un monsieur qui est passé là, qui a expliqué une stratégie là. Je ne suis pas, je suis un peu d'accord. Oui, je suis un peu, pas trop, hein, pas à 100% parce que je n'ai pas les preuves, mais la stratégie du monsieur tient quand même un peu la route. Le monsieur là, bon. Il a parlé d'une stratégie là, qui tient un peu la route. Je suis l'enfant de quelqu'un. Bon, Dorcas, moi je te laisse, je vais te dire merci, continue à faire la médiation, continue parce que il faut que ça s'arrête, parce que franchement, ça ne nous honore pas. Ça ne nous honore pas. Bon, c'est vrai que beaucoup ne se reconnaissent pas en ça, parce que ce n'est pas ça la vraie diaspora. Il faut se dire la vérité. Ah ben, je suis d'accord, la Rose. Moi, je ne me reconnais pas. C'est tout. Voilà, c'est un poignet de personnes. Voilà, c'est un poignet de personnes. Moi, je ne me sens pas concerné. Vous dites, ben, vraiment, je ne me sens pas concerné. Et quand je dis, voilà, ne représente pas la diaspora. Voilà, la partie où je voulais préciser, arrêtez de dire que l'image du Cameroun est salie. Les autres pays, là, vous connaissez les images. Ben non, voilà, elle ne représente pas le Cameroun. Non, le Cameroun vend d'abord le piment plus que les qui. Hein? C'est parce que les Camerounais, eux, ils sont toujours ouverts. Vous voulez, ils sont ouverts à tout. Vous connaissez les autres jeux? Le Cameroun vend le piment sale comme le Nigérien. Vous parlez de les quoi? Les Congolais parlent à Lingala, donc on ne comprend même pas ce qu'ils disent dans leur clash. Voilà. Donc c'est tout parce que les Camerounais, nous, on est tout ouvert. Donc franchement, et puis laissez Ouakatologo tranquille. Bye bye. Bisous, bye bye. Bisous, bye.